Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir à toutes et tous. Nous commençons avec Farida Amrani. Pouvoir à Monsieur Seridji. Diara Badiane. Elle arrive en retard et pouvoir à Claude Maisonneuve-Coutérou en attendant. Alban Bakary. Mélinda Bayol. Stéphane Baudet. Présent. Fadila Bendoula. Pouvoir Gérard Giannati. Samir Benamara. Présent. Pétroline Béraud. Elle va arriver parce qu'elle était sur un forum à Grigny et elle va pas tarder. Ça résonne. Michel Bonafous. Carmel Bonnet. Myriam Boubel. Corinne Bourgeois. Jean Caron. Pouvoir à Ronan Fleury. Henri Catalifo. Présent. Pascal Cauchebray. Henri Chaillot. Pascal Chatagnon. Présent. Sandrine Chaumont. Francis Choix. Pouvoir à Mehdi Zegouf. Rémi Courteau. Pouvoir à Pierre Pro. Yvan Couvida. Présent. Philippe Dardillac. Présent. Mara Delmé-Gilbert. Nébia Diakité. Pouvoir à Henri Chaillot. Najwa El Haïté. Elle arrive en retard, elle va arriver. Pouvoir à Pascal Chatagnon en attendant. Ronan Fleury. Présent. Rafik Garnit. Gérard Giannati. Présent. Natacha Gérard. Alors elle est sur un conseil d'école, elle arrive. Pouvoir à Myriam Boubel. Jean-Baptiste Gras, Lorraine Anna, elle doit arriver. Dioulaba Injai, En retard aussi, mais pouvoir à Jordan Schwab en attendant. Stéphane Journé, Fatouma Takueta, pouvoir à Lucas Mélin en attendant aussi. Claude-Emmanuel Maisonneuve-Coutérou, Dominique Marquet, Abdoulaziz Mbaye, Lucas Mélin, Freddy Nsondé, Agnès Omer, Daniel Ovono, Sabine Pellerin. Pouvoir à Madame Pétroline Béraud, pardon. Ah oui, mais elle est en retard. Mais bon. Voilà, ça y est. C'est réglé. J'en étais à Sabine Pellerin. Donc Marie-Thérèse Plot, Olivier Potocard. Il arrive aussi, pouvoir à Sandrine Chaumont en attendant. Edwige Prisca, Pierre Pro, Jordan Schwab présent, Azedine Seridji, Henri Simenou. Je ne sais pas. Tania Tiaing, Daniel Valero, présente. Virginie Villemain et Mehdi Zegouf. Merci Jordan, le quorum est donc atteint. Je vous propose d'approuver le PV du Conseil municipal de 6 avril. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Communication du maire. Je vous rappelle que depuis plusieurs conseils municipaux sur ce qui est strictement l'agenda du maire, nous le joignons au compte rendu et nous n'en retirons que des grandes thématiques pour raccourcir ces séances qui sont d'ordinaire déjà assez longues. Juste 3 points que je souhaitais ce soir mettre en exergue. Tout d'abord, les manifestations festives des périodes mai-juin et par projection début juillet. Donc ces 2 derniers mois ont été l'occasion pour nos structures municipales, maisons de quartier, centres sociaux en tête, notre tissu associatif et nos conseils de quartier d'organiser plus de 100 manifestations, je dirais plutôt 200 vu l'agenda, aux 4 coins de notre ville. Pour n'en citer que quelques-unes d'ailleurs, les plus grandes, le festival Made in Ici, le 50e anniversaire de l'Association des familles de Courcouronnes, la journée de mobilité citoyenne, Urbaniston Sports, The Next Convention, les arts de rue, la fête des tourelles, Paul Prox Academy, l'inauguration du Verger des Honnêtes, etc., etc., etc. Je crois qu'on les parcourt suffisamment pour savoir qu'elles sont nombreuses. S'y ajoutent évidemment, bien sûr, traditionnellement en cette période, toutes les fêtes de fin d'année et autres kermesses dans nos crèches, établissements scolaires et périscolaires, durant lesquels la communauté éducative, les associations de parents d'élèves, les ATSEM, les animateurs se mobilisent pour permettre aux écoliers de finir l'année scolaire dans la joie et la bonne humeur, même si pour le coup, se terminant le 7 juillet, elle n'est pas encore tout à fait finie. À quelques encablures donc d'une pause estivale méritée pour tous, il subsiste encore quelques rendez-vous incontournables sur notre agenda municipal, parmi lesquels la fête nationale avec le défilé républicain et le bal des pompiers le 13 juillet, suivi le lendemain par le feu d'artifice du parc du lac à Courcouronnes-Centre. Je tiens de nouveau ici à profondément remercier mon équipe municipale pour sa présence régulière sur le terrain, soir et week-end compris, ainsi que toutes celles et ceux, agents municipaux, bénévoles associatifs, enseignants et parents, qui concourent de façon exemplaire à la réussite de ces activités festives et conviviales qui animent nos quartiers à destination principalement de notre jeunesse.
Je voulais également faire un petit bilan sportif, puisque cette fin d'année sportive consacre de très nombreux et excellents résultats obtenus depuis 9 mois par nos sportives et sportifs dans diverses disciplines, en individuel ou en équipe, du reste, avec notamment, et la liste n'est pas loin s'en faut exhaustive, donc je prie toutes les associations qui nous regardent, si elles ne sont pas citées, de bien vouloir nous en excuser, mais sinon nous finirions le conseil municipal demain matin, parce qu'elles sont nombreuses, mais citons-en quelques-unes quand même. Le Diamant Futsal, dont les équipes féminines et masculines réalisent le doublé championnat régional et Coupe de Paris, avec une montée en D2 pour les masculins. Le SCA 2000 athlétisme, avec Yanis Mézian, qui réalise la meilleure performance de sa carrière sur le meeting de Paris, avec quasiment les minima des championnats du monde. Laurine Maxwell, qui a franchi 1m83 en saut en hauteur, soit le minima pour les championnats d'Europe U20. L'AS Évry Pharaon Baseball Softball, dont 9 joueuses, ça n'est pas rien, sont sélectionnées en équipe de France pour les championnats de softball U18 et le championnat du monde senior au Japon, qui a remporté récemment le Challenge France, l'équivalent de la Coupe de France, et accède ainsi pour la 5e année consécutive à la Coupe d'Europe. Le Coq Basketball, qui est champion de l'Essonne en U20, le SCA 2000 handball féminin, cher à Guy Bélanger, qui monte de nouveau cette année en catégorie nationale 2, le Coq Box, avec Antonio, qui gagne la Coupe de France en Muay Thai, le SCA 2000 trampoline, dont plusieurs pratiquants ont remporté des médailles lors des championnats de France et Île-de-France, l'Evry Football Club, avec les U16, qui ont remporté ce week-end la Coupe de l'Essonne, et Sekouba Keita, qui a signé à l'en avant Guingamp un contrat professionnel. La section féminine senior du FC Évry, enfin, qui après plusieurs années difficiles accède en R3 et qui joue samedi prochain la finale de la Coupe de l'Essonne à Méréville. Et enfin, les Corsaires en foot américain qui disputent la finale des playoffs de D2 ce samedi également. Là encore, je ne peux que féliciter tous ces sportifs et remercier tous les éducateurs de nos clubs pour leur inaltérable mobilisation auprès d'eux et remercier Yvan, Tania, toute l'équipe qui les suivent tous les soirs et tous les week-ends et toute l'année. Enfin, mes chers amis, pour ces communications que je voulais courtes, difficile de terminer sans mentionner la transition écologique et sociale à l'œuvre dans notre commune, alors que ce mois de juin 2023, même si ce jeudi matin pluvieux est l'exception qui confirme la règle, bat d'ores et déjà tous les records enregistrés en termes de chaleur et de sécheresse. D'aucuns ici ou là s'érigent en parangon de vertus écologiques, si ce n'est en gardien du temple de la biodiversité, qui sur la protection des arbres, qui sur la bétonisation de nos espaces verts. De tout cela, nous reparlerons en détail et avec des faits qui viendront démonter un à un les mensonges égrenés ces dernières semaines. Un chiffre cependant, avant la démonstration complète qui sera faite carte à l'appui, depuis 2019, lorsque nous avons été contraints d'abattre un arbre, nous en avons replanté 3. Idem lorsque certains organisent des réunions, légitimes d'ailleurs dans leur rôle d'équipe municipale, de la majorité ou de l'opposition, et pour lesquelles je les félicite, afin de recueillir les souffrances réelles de nos concitoyens sur leur facture énergétique en forte hausse depuis un an. La majorité municipale, à ce titre, n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour agir face à ce fléau de l'inflation des prix de l'énergie, tout en posant des actes concrets pour la transition écologique et sociale de notre territoire. Deux exemples, puisque je parlais de concrets. Le 24 mai dernier, nous inaugurions dans le quartier des Champs-Élysées le puits de géothermie qui alimente le réseau de chaleur urbaine, le fameux RCU, de notre ville. Outre le fait que ce RCU fonctionne désormais aux deux tiers, ça n'est pas rien, avec des énergies renouvelables, la géothermie donc, mais également depuis plusieurs années la chaleur produite par les fours d'incinération du CITD de Vert-le-Grand, la conséquence très concrète pour les milliers de foyers Évry-Courcouronnes raccordés à ce réseau sera une légère baisse du prix. Légère, certes, mais alors que toutes les autres sources d'énergie connaissent, elles, une inflation à deux chiffres, même avec le bouclier énergétique du gouvernement. Ce matin même, nous inaugurions, avec Pierre Pro, dans le quartier d'Évry-Sud, une unité de valorisation énergétique de nos deux usines, Évry et Corbeil, de traitement des eaux usées par production et injection de biométhal et récupération de la chaleur. Tout ceci peut peut-être, mes chers collègues, vous apparaître extrêmement technique, ça l'est, et loin des préoccupations quotidiennes de nos habitants. Mais c'est pourtant très concret. Les 13 gigawatt-heure en produits par cette nouvelle installation, cela représente l'équivalent de la consommation en chauffage de 2100 foyers ou la consommation en carburant de 50 bus qui rouleraient au GNV.
La transition écologique et sociale, cela ne doit pas être des concepts ou des combats médiatico-politiques, mais une stratégie complète, multifactorielle, produisant des effets concrets dans la vie quotidienne de nos habitants. À Évry-Courcouronnes, en l'espace d'un mois à peine, après cependant plusieurs millions d'investissements, nous venons de rendre plus écologique et moins cher le chauffage de milliers d'habitants et nous venons de rendre socialement plus utile le traitement de nos eaux usées. Cela s'appelle la preuve par l'exemple et par l'action. Je vous remercie, mes chers collègues. Il n'y a pas eu de dépôt de questions orales, ni de motions, ni de vœux. Vous avez deux délibérations sur table que je vous propose d'ajouter en fin de conseil municipal à l'ordre du jour, s'il n'y a pas de contre-indication. Et quelques informations sur les délibérations. Sur le point numéro 3, convention d'objectifs avec le CAP, messieurs Zégouf, Chataignon, ne prendront pas part au vote. Sur les 8 et 9, je quitterai évidemment la séance et laisserai la présidence à Daniel Valero, comme le veut la loi, la règle sur le compte administratif. Sur le point 29, M. Kouvida ne prendra pas part au vote. Et sur le point 42, nous ne voterons pas, mais prendrons simplement acte. Chers collègues, je vous remercie. Point numéro 1 de l'ordre du jour, Daniel Valero. Oui, bonsoir mes chers collègues et puis ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Non, pas sur TF1, sur les réseaux sociaux. Toutes les collectivités doivent maintenant, par un décret du 7 décembre 2022, désigner ce qu'on appelle maintenant un référent déontologue pour les élus locaux. Le décret en question du 7 décembre 2022 précise les fonctions du référent, la durée du mandat. Le référent déontologue pourra donner des conseils éclairés sur les conduites à tenir et les bons comportements à adopter aux élus. Par les élus. Il y a le même genre de référent qui existe déjà pour les fonctionnaires des collectivités. Le référent pourra informer et sensibiliser l'ensemble des élus locaux aux principes déontologiques applicables à l'exercice de leurs fonctions ou de leur mandat. Compte tenu de ses compétences et de son expérience professionnelle, il vous est proposé de désigner M. Jean-Mathieu Glatt, il est juste là-bas derrière, directeur de l'administration générale et de la gouvernance des données, en tant que donc référent déontologue des élus de la commune d'Évry-Courcouronnes. Et ce, jusqu'à la fin du mandat municipal en cours. Il est précisé qu'il n'y a pas de rémunération particulière pour M. Glatt pour exercer cette fonction. Merci Daniel. Y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 2, Yvan. Oui, alors on a l'occasion ce soir d'approuver une délibération qui fait un truc tripartite avec le département, la ville et puis Paris 2024, qui est une association qui a été fondée par le COJO, notamment pour porter l'action sur le terrain des JO. Voilà, on a une chance de pouvoir avoir ça pas trop loin de notre territoire. C'est dur en toute vérité, c'est dur de se mobiliser pour quelque chose qui a l'air si proche, mais en même temps si loin. Et les populations peuvent être quand même assez loin des JO, surtout dans la période où vont avoir lieu les JO. Donc voilà. Mais par contre, il nous a été proposé de travailler avec le conseil départemental et de pouvoir avoir la chance d'être une ville relais et donc que la flamme puisse traverser la ville. Donc pour nous, c'est l'occasion de rapprocher les JO des habitants de cette ville et puis d'essayer de vivre un moment de fête autour des JO. Donc voilà, on vous demande d'approuver ça. Merci Yvan. Y a-t-il des questions ? C'est bien. Avant tout, je tenais à dire qu'on allait voter pour ce point-là. Juste quelques questions en fait, au niveau de la convention. Comme la convention ne prévoit pas de dépenses pour la ville, c'est le département qui prend en charge la totalité des frais. On voulait juste savoir au niveau de la mise à disposition le coût, l'impact au niveau du coût que ça engendrait pour la ville et que pour l'accès au stade de Bobin, pour les habitants d'Évry, de quelle manière ça se ferait ? Yvan. Pour répondre, au fait, on est un peu dans les prémices de la chose. C'est-à-dire que ça va forcément coûter à la ville que d'organiser tout ça. On sait que c'est une organisation exigeante et qu'il va falloir être attentif à tout ça. Et ça va être
Il va falloir quand même qu'il y ait une certaine bataille avec le COJO sur ces questions-là, parce que ça demande de la sécurité, donc un investissement forcément de la ville. Lequel, combien, aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Là où je pense que ça va nous mobiliser beaucoup, c'est sur la question de l'animation de ce parcours. On est sur un parcours qui va faire entre 5 et 6 kilomètres. Les détails du parcours, on est en train de les développer en ce moment avec le conseil départemental et le COJO s'immisce aussi dans ces questions-là, forcément. Donc tout ça, pour l'instant, ça reste un peu flou. Mais par contre, moi, je suis entièrement à disposition pour qu'on travaille et puis vous donner les chiffres dès que je les ai. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci Yvan. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y en a pas, des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Le point suivant, c'est l'approbation d'une convention d'objectifs avec l'association Centre Art, Architecture, Paysage, Patrimoine, le fameux CAP, qui est une structure portée par la commune. On en a déjà parlé à plusieurs reprises au sein de ce conseil, et dont l'ambition est de devenir un lieu d'expérimentation et de stage pour les écoles d'architecture d'Île-de-France, voire d'ailleurs au-delà, ce qui évidemment, en termes d'image, pour une ville au patrimoine aussi riche que le nôtre, évidemment un enjeu important. Le développement du site est confié à l'association du CAP depuis créée en décembre 2022 d'ailleurs, pas 23, et la commune a participé à la création de l'association en tant que membre fondateur. Afin d'approfondir davantage ce partenariat et de soutenir financièrement l'association, il convient donc de conclure une convention d'objectifs et d'attribuer une subvention de fonctionnement de 20 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il n'y en a pas, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point 4, Daniel. Oui, on a un partenariat qui a été instauré depuis 2018 entre le Centre municipal de santé et l'association Rêve Diab. Rêve Diab, c'est une association qui propose de la prévention, du dépistage et de l'éducation thérapeutique et de la formation des professionnels pour la prise en charge des personnes diabétiques. La convention en question expire le 5 août 2023, donc évidemment très bientôt, donc il convient de la renouveler. Je précise que s'il n'y a pas d'engagement financier, aucune incidence financière pour la ville, et donc la nouvelle convention prendra date à la signature pour une durée de 1 an et pourra être renouvelée tacitement tous les ans jusqu'à un maximum de 4 ans. Merci Daniel. Est-il des questions sur ce point ? Pétroline ? Alors, concernant cette délib, nous voulons juste rappeler que le centre municipal de santé a fermé il y a maintenant 1 an. On a l'impression que malgré quelques passages sur place, le chantier n'est toujours pas lancé. Où en est-on sur la situation du centre municipal de santé et ses travaux aujourd'hui ? Et sur le contenu de cette délib, on parle de la continuation du partenariat avec Rêve Diab, un très bon partenariat, important et même efficace. Mais comment cela va être géré, car il n'y a plus de praticiens pour s'en occuper au sein du CMS. Un partenariat avec un réseau, mais sans médecin municipal pour le faire vivre. Je ne vois pas comment ça va vraiment se faire. D'ailleurs, dans la convention, il n'est pas précisé que le CMS fonctionne depuis plusieurs mois à minima. Nous pensons que cela devrait aussi figurer. Merci beaucoup. Alors, je vais évidemment vous répondre. D'abord, le CMS n'est pas fermé. Il n'est pas fermé. C'est-à-dire, le CMS aux Épinettes, place allée de la Commune, lui, il est fermé pour travaux, mais il a été, donc je l'ai déjà dit ici, et on l'a dit à beaucoup de collectifs qui nous ont sollicités, qu'on a reçus, y compris des collectifs avec lesquels on travaille tous les jours, prochaine réunion lundi à 16h. Il est déplacé au centre municipal, au centre technique municipal, dans le quartier des Honnêtes. On ne peut pas dire qu'il est fermé quand il y a des professionnels qui travaillent tous les jours, à commencer par la dentiste, qui travaille, son assistante qui est là, les personnels administratifs, l'infirmière, et c'est donc un peu quand même faux ce que vous racontez, parce qu'il y a toujours un médecin dans le centre de santé. Donc,
première erreur, ça n'est pas fermé. Deuxième erreur, il y a toujours des professionnels qui y travaillent. Et pour ce qui est du diabète, puisque là, on parle du diabète, d'abord, ça ne concerne pas que les médecins, parce que je suis bien placée pour le savoir, ça concerne aussi les dentistes et l'infirmière. Et donc, on peut toujours passer cette convention, puisqu'il y a toujours des professionnels qui y travaillent. Daniel, y a-t-il d'autres questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Pierre ? Il s'agit d'une convention de partenariat avec l'éco-organisme Alcom. L'éco-organisme Alcom, il s'agit de la REP déchets sur les mégots. Donc la REP déchets, c'est la responsabilité élargie des producteurs. C'est donc des dispositifs étatiques qui forcent les producteurs à cotiser à l'organisme de manière à ce que l'organisme traite les déchets de leurs produits de manière plus écologique. Et donc là, il s'agit d'adhérer à la REP mégots. C'est un éco-organisme qui va nous aider à mettre en place des cendriers sur l'espace public et puis qui va nous financer aussi un certain nombre de collectes de cigarettes usagées sur l'espace public. Donc nous sommes invités à signer cette convention de partenariat. Merci Pierre. Monsieur Serigi. Micro, monsieur Serigi. Vous voulez sous-traiter le ramassage des mégots à une entreprise externe, c'est ça ? Non. Non, la REP ne nous fera pas. D'ailleurs, c'est pas eux qui vont ramasser les mégots. Ils vont nous financer une partie des ramassages que l'on fait déjà. Et ils vont nous financer également des dispositifs de collecte de mégots qui soient bien visibles, qui soient plus visibles sur l'espace public. Pas d'autres questions sur ce point, Samir ? Ouais, alors maintenant, il faudrait couper le micro, M. Serigi. Merci. On avait bien compris le fonctionnement et nous, ce qu'on voulait savoir, c'était ce qu'il va falloir mettre en place pour la gestion de ce contrat. Est-ce que ça va nécessiter un agent à temps plein ? Et comment exactement ça va se passer ? Parce que j'ai bien compris que vous allez être financé par cet organisme. Est-ce que cet organisme se charge de trouver les hotspots, comme lu dans l'intervention ? C'est lui qui détermine les hotspots sur la ville où il y a le plus de mégots ou c'est la collectivité ? Merci. Alors, ça va être géré par le service de la transition écologique, qui gère également les dépôts sauvages. Ça va certainement pas mobiliser un ETP complet là-dessus. Il y a bien entendu un agent qui va y passer du temps. Je ne sais pas vous dire exactement combien, mais ce sera largement inférieur au mois homme, si je puis dire, au mois d'ETP. Nous allons faire des propositions et nous allons faire en fait un dossier de demande et qui après sera accepté ou non, normalement il est accepté. Et il ne me semble pas que l'éco-organisme ait son droit de validation sur les points. Ce n'est pas comme les bornes électriques de recharge des véhicules électriques. Là, c'est vraiment nous qui faisons la demande de financement et ensuite on est financé. Il ne me semble pas que dans la convention, l'éco-organisme ait un droit de regard sur les emplacements où on souhaite mettre des cendriers. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets ce point au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Pour les deux heures qui viennent, Ronan Fleury ? Merci. Je vais essayer de faire un peu plus court parce que j'ai déjà plus de voix. Mais je vais quand même essayer de rester suffisamment synthétique pour faire passer le message qui convient. Parce que les chiffres, effectivement, ce n'est pas vraiment passionnant, mais enfin, derrière les chiffres, il y a des réalités intéressantes. Les deux délibérations 8 et 9 sont, c'est 6 et 7, sont les délibérations de concordance entre ce qu'on appelle le compte de gestion qui est établi par le Trésor public et les comptes administratifs du budget principal et du budget annexe. Donc là, pour le coup, il faut valider le fait que et les comptes tenus par le Trésor public. Je rappelle que c'est le Trésor public qui tient le chéquier de la ville
et que toute dépense, toute recette passe par les livres du Trésor public. Nous tenons, nous, une autre comptabilité que je vais vous présenter et qui se traduit par un compte administratif, donc la liste des dépenses et des recettes et le résultat en fin de page. Mais il faut que ces deux comptes soient strictement identiques. C'est le cas à la fois pour le budget principal, donc la délibération 6, et pour le budget annexe des parkings. Ce qu'on va faire, c'est qu'on procédera au vote après. Là, maintenant, je vais vous présenter le compte administratif du budget principal et le compte administratif du budget annexe des parkings, le plus gros étant évidemment le budget principal de la ville. Alors, vous entendez souvent parler de ces vocabulaires budget annexe, budget principal, compte administratif, etc. En fait, c'est très très simple. Les budgets que nous votons en début d'année, que nous amendons parfois, ça va être le cas tout à l'heure sur le budget principal, nous allons faire un budget supplémentaire. Quand on entend budget, c'est du prévisionnel, c'est-à-dire que ce sont des prévisions qu'on fait en début d'année, on s'autorise à dépenser tel montant et on s'autorise à recevoir en recette tel montant. Alors c'est d'autant plus contraignant les budgets pour les dépenses que pour les recettes, bien entendu. Donc ça c'est pour la partie prévisionnelle. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et là, pour les deux délibérations qui suivent, ce ne sont pas des budgets, ce ne sont pas des prévisions, c'est ce qu'on appelle de la réalisation. Et ça se traduit par ce qu'on appelle un compte administratif, une espèce de bilan, finalement, dans le cadre de l'entreprise, de la comptabilité d'entreprise. Donc nous avons le fameux compte administratif du budget exécuté en 2022. Encore une fois, c'est important de resituer dans le temps. Là, comme on parle sur la réalisation, c'est l'année 2022 qui s'est terminée et nous validons les comptes de l'année 2022 courant 2023. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de manière très macro sur l'année 2022 et ce qui intéresse notamment l'exécution budgétaire de cette année pour la ville? Alors, ça n'a pas échappé, enfin, à mon avis, ça a échappé à personne, mais on a eu un retour fort de l'inflation, notamment sur ce qu'on appelle les fluides, c'est-à-dire l'électricité, le gaz, le carburant, etc. Évidemment, par effet d'entraînement, quand les fluides augmentent, eh bien, mécaniquement, une partie, en tout cas, des prestations augmente, puisque ces prestations que nous achetons, consomment aussi des fluides. Voilà. Donc, un retour de l'inflation qu'on n'avait pas connu depuis des années et des années, mais aussi une reprise de nos activités municipales. Je pense que personne ne s'en souvient, mais on a dégagé en 2021 un résultat financier exceptionnel, pas tant qu'on avait reçu beaucoup plus de recettes que les années passées, mais c'est surtout qu'en 2021, on avait dépensé beaucoup moins qu'avant pour les raisons du Covid, c'est-à-dire qu'une partie de notre activité municipale n'a pas pu se réaliser du fait du Covid. Il y avait beaucoup moins de manifestations, d'activités, etc. On a réduit la voilure contraint et forcé, et donc nos dépenses ont vraiment fléchi en 2021. En 2022, en plus donc de l'inflation sur les prix, nous avons un retour à peu près au niveau normal de notre activité municipale et donc mécaniquement une hausse de nos dépenses. Et puis nous avons aussi en grand trait macro un volume d'investissement qui a vraiment pris son plein rythme aujourd'hui. Ça ne vous a pas échappé que dès le début du mandat, quand on a voté le premier budget, et c'était d'ailleurs dans notre programme municipal, nous avons un objectif d'investissement considérable, comme jamais nous avons investi sur ce territoire, y compris quand on cumulait les budgets d'Évry et de Courcouronne. Donc on a en prévision, et donc là maintenant en réalisation en 2022, un niveau d'investissement considérable qui se traduit donc dans ce budget 2022. On le voyait moins en 2021 parce qu'on était plus sur des études et on n'avait pas encore commencé à lancer les grands travaux qui nécessitent beaucoup de ressources financières. Alors, je commence par la fin, c'est toujours plus simple, et en vous disant que le résultat net de clôture de l'année 2022, tout confondu, quand on a tout mis dans la machine, le résultat net à la fin est de 620 309 euros. Ce n'est pas grand-chose, mais je vais vous détailler un petit peu pour arriver à justifier ces 620 000 de résultats nets sur 2022. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc notre résultat, il est inférieur à 2021, qui était une année exceptionnelle, essentiellement par la diminution subie
des dépenses. Et qu'est-ce qui a vraiment augmenté? Je l'ai évoqué tout à l'heure, le coût de l'énergie. Par exemple, on a dépensé 1 100 000 en plus sur le chauffage urbain, sur l'électricité, etc., uniquement par des effets de prix, pas par des effets de consommation supplémentaire. On a aussi eu une dépense supplémentaire qui n'est pas de notre fait, si je puis dire, mais qui profite à nos agents. C'est la masse salariale qui a augmenté entre 2021 et 2022 de un peu plus de 2 millions d'euros, essentiellement par l'effet déjà une première revalorisation du point d'indice, donc qui permet de calculer la rémunération des agents. Nous avons aussi des coûts sur, par exemple, la restauration collective qui ont augmenté à hauteur de 700 000 euros. On a quelques recettes, notamment ce qu'on appelle le produit des services, qui ont baissé cette année, donc un peu moins de recettes sur cette partie-là. Et on dégage quand même un résultat de fonctionnement. Vous vous souvenez toujours qu'il y a deux parties dans un budget. La section de fonctionnement, c'est ce qui est consommé dans l'année, par exemple les fameux fluides, les dépenses de personnel, tout ça c'est dans le fonctionnement. Et puis une autre section moins importante en volume, mais très importante quand même évidemment sur le plan économique, c'est la section d'investissement. Et donc nous avons dégagé sur le fonctionnement 15,7 millions d'euros d'économies, c'est-à-dire que les dépenses sont inférieures aux recettes à hauteur de 15,7 millions d'euros. Et ces 15,7 millions d'euros, c'est ce qu'on appelle notre autofinancement, notre épargne de l'année, pour pouvoir aller injecter cette épargne-là dans l'investissement de l'année et pour pouvoir autofinancer une partie de nos investissements. Et donc 15,7 millions d'euros dégagés sur le fonctionnement, un besoin de financement sur l'investissement de 15 millions d'euros, donc on fait vite la différence, hein, 15,7 moins 15 égale 620 000 euros à la fin de résultats nets dégagés sur 2022. Je voulais vous donner quelques exemples, quelques chiffres, pas tous, parce que ça serait vraiment trop long ce soir et un peu inintéressant, en commençant d'abord par la section de fonctionnement. Quelques chiffres. Par exemple, que nos dépenses globales de fonctionnement ont augmenté de 10,38% en 2022 par rapport à 2021. Vous vous souvenez, en 2021, baisse de l'activité, donc baisse des dépenses. 2022, augmentation, enfin retour à la normale de nos activités et en plus, augmentation des tarifs, notamment des fluides. Nos recettes, elles, ont augmenté de 1,81%. Donc elles ont augmenté, mais beaucoup moins que nos dépenses. Donc un effet de ciseau qui fait que notre résultat de cette année est évidemment inférieur au résultat exceptionnel de l'année dernière. Quelques chiffres encore. Nous avons dépassé cette année, en 2022, c'est la première fois, la barre des 100 millions de dépenses et de recettes, et surtout de dépenses, si je puis dire, que nous n'avions jamais dépassé dans notre histoire. En 2021, on a dépensé 95 millions d'euros en fonctionnement, en dépenses, avec 114 millions d'euros de recettes, ça c'est en 2021. Cette année, en 2022, nous avons dépensé 105,6 millions d'euros en fonctionnement, donc là, on dépasse les 100 000 euros, et en recettes, 116 millions d'euros encaissés en recettes. Sur les recettes, je vous l'évoquais tout à l'heure, le fait notable, c'est une baisse de près de 30% de nos recettes sur ce qu'on appelle les produits des services. Dans les produits des services, il y a un peu tout et n'importe quoi mélangé, mais c'est la rubrique comptable qui veut ça. On avait 7 millions d'euros l'an dernier, en 2021. On a encaissé 5 millions d'euros. Il y a deux effets. Un, moins de recettes sur la restauration scolaire, notamment parce qu'on a baissé les tarifs. Donc forcément, quand on baisse les tarifs à prestations équivalentes, on a moins de recettes. Mais surtout, une moindre tarification, c'est un effet comptable, si je puis dire. Il y aura une régularisation l'année prochaine de ce qu'on appelle les charges de centralité, c'est-à-dire que l'agglomération rembourse à la ville d'Évry-Courcouronnes des charges qui sont faites par la ville au titre de son statut de capitale de l'agglomération. Voilà, donc c'est 30% de baisse, mais on les rattrapera l'année prochaine. Et en tout cas, ça impacte le budget de cette année. En termes de dépenses de fonctionnement, je l'ai déjà évoqué longuement, si je puis dire. Prenons la dépense principale, ce sont les charges de personnel, puisque l'an dernier, nous avons dépensé 56 millions
de charges de personnel. Et cette année, nous avons dépensé 2 millions de plus, je l'évoquais tout à l'heure, 58 millions, ce qui fait une augmentation globale de 4%. Notre masse salariale a augmenté de 4% entre les deux années, essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, du fait de la revalorisation du point d'indice en juillet de l'année dernière et l'été dernier, et d'autres mesures, revalorisation du SMIC par exemple, qui a des effets aussi sur notre masse salariale. Donc tant mieux pour les agents, même si effectivement ça ne sera jamais suffisant du fait notamment de l'inflation qui est beaucoup plus importante que ces 4% d'augmentation de notre masse salariale. Et le deuxième plus gros budget, ce sont les charges à caractère général, donc tout ce qui n'est pas du salaire finalement. Pour le coup, nous avons dépensé 29 millions l'an dernier et 34 millions cette année, une augmentation de 17%. Retenez ce chiffre, 4% en plus sur le personnel, 17% sur le reste des dépenses, comme je vous l'ai déjà évoqué, l'augmentation des fluides et la reprise de nos activités. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les charges de personnel, j'en ai déjà parlé. Alors, nous avons, je vous ai parlé des charges de personnel, des charges à caractère général. Il y a un troisième point intéressant, ce sont les charges financières. En gros, pour faire simple, les intérêts que nous payons chaque année, puisqu'on a une dette, et forcément cette dette, elle a un taux d'intérêt, et donc forcément on paye des intérêts comme toute personne qui a des emprunts. Alors, en 2022, le coût des intérêts de notre dette, quand bien même notre dette augmentait, le coût de nos intérêts a baissé de près de 1%, près de 2%, parce que les taux d'intérêt continuaient de baisser en 2022. Mais ça, c'était en 2022, à compter de janvier 2023, les taux d'intérêt se sont mis à augmenter à nouveau, ce qu'on n'avait pas connu depuis très 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 longtemps. Depuis près de 10 ans, les taux d'intérêt baissaient. C'était devenu presque scandaleux parce que parfois, on pouvait presque emprunter à taux négatif. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous allez voir donc qu'en 2023, malheureusement, cette charge des intérêts va augmenter. J'ai terminé pour la section de fonctionnement. Je vais passer à la section d'investissement pour vous donner quelques grands chiffres. Nous avons dépensé l'an dernier, en 2021, 34,6 millions d'euros de dépenses réelles, donc d'investissement. Cette année, en 2022, nous avons dépensé 54,3 millions d'euros, soit une augmentation de près de 50% de nos dépenses réellement exécutées en 2022 comparé à 2021. Je le disais tout à l'heure en introduction, en 2021, on lançait, c'était la deuxième année du mandat, et on lançait en fait notamment les études pour les travaux importants qu'on voit partout dans la ville. En 2022, les chantiers ont été lancés, d'où un besoin de financement beaucoup plus important sur l'investissement, avec donc 54 millions de dépenses, 20 millions de plus que l'année précédente. Pareil en termes de recettes, 54,8 millions de recettes en investissement, contre 36 millions en 2021. C'est ce qu'on appelle l'élan de transformation du territoire qui se traduit dans les chiffres. Dernier petit point sur le compte administratif 2022, un petit point sur la dette. Alors, notre dette continue d'augmenter. On vous l'avait expliqué que c'était dans notre stratégie de financement de nos investissements massifs. Ces investissements massifs, évidemment, il faut les financer. Alors, un, on les finance par l'autofinancement. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 15 millions d'euros dégagés en 2022 sur le fonctionnement pour être injecté dans nos dépenses d'investissement, mais ça ne suffit pas. Donc on tire encore un peu sur l'emprunt. Voilà. Et donc cette dette-là qui continue d'augmenter et qui continue de se sécuriser au maximum. L'an dernier, vous vous rappelez peut-être, on avait encore, si on pouvait aller sur la charte, le graphique de la charte Gisler, on avait encore un ou deux petits emprunts, tout petits, qui étaient considérés comme légèrement risqués, notamment quand on a des variations de taux, et là c'est le cas, hein, puisque les taux commencent à bouger à la hausse, donc potentiellement ces petits emprunts étaient risqués. On en a renégocié un en 2022, celui qui était potentiellement le plus risqué, pour que finalement, si on passe à la slide suivante, ah ben non, elle est là, oui, on ne voit rien. En fait, bon, vous l'avez dans le document, c'est une slide
un graphique, et plus la patate, si je puis dire, qui représente notre encours d'emprunt est en haut à gauche, moins l'emprunt est risqué. Plus il descend et il va sur la droite, plus l'emprunt est risqué. On a un tout petit point qui est noté en 1B, voilà, donc pour 5% de notre encours, et donc le reste, 94% de notre encours, est totalement sécurisé à la meilleure note. C'est une classification nationale de notation de notre encours. J'en ai terminé pour le compte administratif du budget principal. Fais peut-être les parkings, parce que on comme va je faire... vais devoir sortir à la fin d'accord. du débat pour tous les votes, on votera 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Ça sortirait qu'une fois, c'est plus simple pour tout le monde. Quoi. Alors, le compte administratif du parking. Donc le parking, au départ, ce n'était que le parking public qui se trouve sous nos pieds. Et puis nous l'avons agrandi et nous avons incorporé deux autres parkings fermés par des barrières. Contrairement à celui-là qui est complètement fermé et en ouvrage, c'est le parking dit Senghor, donc sur le marché Senghor, et le parking de la préfecture qui est aussi fermé. Alors ce parking, pour ceux qui étaient et qui suivaient déjà ce sujet-là à l'époque d'Evry, parce que c'était sur le ex-territoire d'Evry, on a toujours eu du mal à équilibrer ce parking, ce budget, essentiellement pour des questions de recettes. Des usagers relativement faibles, d'une part, et puis d'autre part, parce qu'il y a eu énormément d'investissements au départ pour créer ce parking, et il faut amortir ces dépenses-là, et donc cet amortissement obligatoire tire aussi considérablement sur le fonctionnement, sur les recettes de fonctionnement du parking. Et donc nous dégageons cette année un résultat positif de 82 000 euros, toutes sections confondues, hein, section d'investissement et section de fonctionnement. En rentrant un peu plus dans les détails, nous avons sur la section de fonctionnement, nous avons en recette enregistré en 2022 une recette globalement inférieure à celle de 2021, 157 000 euros, je vous passe les centimes, hein. 157 000 euros en 2022 contre 179 000 en 2021. Cette baisse de 12% s'explique par une faible reprise du produit des usagers, hein, quand les usagers payent, l'augmentation est de moins de 2%, c'est-à-dire qu'on a une augmentation très faible, une augmentation tout de même est très faible, mais par contre en 2021, on a eu 27 000 euros de l'État. Vous vous souvenez que l'État a financé les pertes des entreprises, et ce budget est considéré comme une activité industrielle, et donc l'État a remboursé 27 000 euros de pertes d'exploitation sur 2021 du fait du Covid, ce qu'on n'a pas eu en 2022, cette recette exceptionnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que à compter du Covid, on a un graphique qui est très intéressant, vous ne l'avez pas à l'écran, mais on a... Je peux le constater, hein, Yvan. On a un graphique qui est très intéressant sur l'évolution des recettes usagées, et on a une chute brutale en 2019 du fait du Covid, hein, évidemment, quand il y a eu le Covid, il n'y avait plus personne qui venait dans ce parking, et donc beaucoup moins de recettes usagées. Et depuis 2019, on a du mal, alors on a une progression de 2%, 1,5%, mais on a du mal à revenir à la dynamique de recettes usagées que nous avions pu insuffler avant 2019. Donc pour le coup, pour l'instant, on est un petit peu désemparé sur ce budget-là, parce qu'on a un dynamisme très faible des recettes. Et puis ensuite, on a un gros problème aussi. C'est un vandalisme très important sur nos deux parkings extérieurs, le parking Senghor et le parking Préfecture, qui sont avec des barrières. Et ça se voit dans les dépenses d'investissement. J'ai même cru comprendre que l'une des caisses enregistreuses avait pris une balle. Donc ça l'a séché net, mais il a fallu la remplacer. Et pendant ce temps-là, pendant que la caisse, heureusement que c'est du matériel, a pris une balle, elle n'a pas évidemment travaillé. Et évidemment, le parking était gratuit puisque la barrière était levée. Et on ne pouvait pas non plus priver les usagers de l'usage du parking du fait de la dégradation. Voilà. Donc on a à la fois une difficulté pour effectivement retrouver un niveau de fréquentation. C'est en grande partie lié au télétravail, hein, un peu moins de trafic. Donc des recettes qui ont du mal à revenir au niveau de 2019, et puis beaucoup de dégradations sur les deux nouveaux parkings qu'on a intégrés dans ce budget. J'ai été trop long. Merci Ronan, tu as été parfaitement concis sur l'ensemble de ces 5 points. Est-ce que tu peux faire le point 10? Alors, le point 10,
j'ai sur l'affectation du résultat. Alors oui, l'affectation. Alors pour le coup, alors ça c'est un exercice très simple, un peu formel hein, pour le coup, parce qu'on n'aurait pas le choix que de toute façon affecter le résultat donc, que je vous ai présenté sur le budget principal de 620 000 euros, bon, qui se décompose par un excédent de 15 700 000 sur le fonctionnement et par un besoin de financement de 15 millions en investissement et donc un différentiel de 620 000, cette délibération vous propose d'affecter ce résultat 2022 au budget, donc là, prévisionnel 2023. Merci Ronan. Pierre Pro pour un complément de présentation. Oui, Ronan Fleury nous a parlé des prix de l'énergie qui sont prépondérants et lourds dans la hausse des dépenses qu'on a eues. Et je voulais donner une indication ce soir, qui est qu'on avait mis en place un plan d'économie sur l'hiver dernier. L'hiver, ça va de la période de chauffe, c'est de novembre 2022 à avril 2023 que ce plan d'économie d'énergie a agi. Donc là, les chiffres de Ronan, c'était que 2022. Hein, donc, mais sur la baisse d'énergie qu'on a constatée, elle mérite encore d'être consolidée parce qu'on n'a pas encore pu avoir tous les chiffres, mais elle est entre 20 et 25%. Donc quand Ronan dit que notre facture d'énergie a augmenté, eh bien, si on n'avait pas fait cet effort sur l'hiver dernier, ces 20 à 25% qu'on a économisés, on les aurait payés encore en plus. Donc on a eu froid, mais ça valait le coup. De ce complément important. Rafik. Bonsoir à tous, merci pour ce complément, parce qu'en fait j'avais une question justement là-dessus. En tout cas, merci Monsieur Fleury, parce que c'est vrai que l'exercice, l'explication du budget ou même du compte administratif n'est pas un exercice facile. Je vous remercie d'avoir pris le temps un petit peu de nous expliquer. Même si, je le constate, c'est quand même tout le temps, ça a un effet assommoir un petit peu sur l'audience et même un petit peu sur nos concitoyens qui ont un petit peu de mal à comprendre. Aussi, je vais essayer de faire moi un petit peu plus vulgaire, un petit peu plus facile pour pouvoir... ne serait-ce que mettre en exergue un petit peu notre position et un petit peu décrire la position de la majorité à la lecture de ce compte administratif. Voilà, donc je vais essayer de faire au plus simple possible. Et donc toutes les questions un petit peu techniques, je vais vous épargner à ce conseil municipal pour éviter justement, peut-être qu'on me reproche d'avoir peut-être allongé le temps de ces conseils. Donc tout ça, ça se fera par écrit. Je commence par la question que M. Pro vous avez soulevée. Effectivement, en introduction, M. le maire, vous avez expliqué qu'on a fait pas mal d'efforts sur la partie énergie et qu'effectivement, on s'attend à avoir des économies un petit peu importantes sur le sujet. Donc, sur le compte administratif 2022, on a vu effectivement s'envoler cette partie-là. Vous nous expliquez qu'il y a à peu près 20-25% qui devrait se répercuter sur 2023, si j'ai bien compris. Donc, on devrait le voir dans les prochains budgets, je suppose, s'il y a des corrections ou pas. Donc, est-ce que vous comptez impacter justement cette partie sur le budget également pour que ce soit un peu plus visible et un peu plus challenging ? Pour ce qui est du fonctionnement, alors, la mécanique assez simple, en fait, ce sont des courroies de transmission entre notre fonctionnement et l'investissement. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse générer, comme vous l'avez dit et bien précisé, générer suffisamment d'épargne pour pouvoir faire face à notre endettement. Donc après, derrière, c'est comment on fait pour justement y faire face. Aujourd'hui, donc, la majorité, avec son programme ambitieux en termes de programme, qui est très très lourd, donc du coup, nous impose un rythme de nos projets qui est assez important, avec éventuellement aussi des emprunts à la clé, ce qui fait que nous, on s'endette, donc la ville s'endette davantage. Et donc, du coup, là, pour le coup, ce n'est pas du tout un choix ou un arbitrage que pourrait faire la ville, mais l'État et la loi nous interdit de faire des emprunts pour payer nos dettes. Donc, on doit se débrouiller avec notre partie autofinancement et puis les subventions qu'on pourrait avoir par ailleurs. Donc, plus cette partie d'emprunt augmente, plus il faut générer d'épargne. Et donc cette épargne derrière, donc on revient sur le fonctionnement. Et en revenant sur le fonctionnement, donc il faut qu'on intervienne soit sur les recettes, soit sur les dépenses. Ça reste assez simple. Cette année, comme attendu, la contribution fiscale, elle augmente. Donc les recettes fiscales, elles augmentent en 2022. Hein, donc on est à maintenant plus de 53 millions
d'euros sur la partie justement de contribution sur la fiscalité. Donc cette inflation sur la fiscalité directe se poursuit. Et comme en fait on l'a déjà souligné lors du débat budgétaire, la majorité a refusé justement de neutraliser cette hausse de 7% sur la collecte des taxes. Et donc du coup, cette manne financière en fait va directement s'orienter sur notre épargne. Donc on génère plus de recettes pour émettre de l'épargne. Donc il faut faire face justement, comme je l'ai dit, à nos emprunts. Et cette dette continue à se creuser. Donc on est en train de s'orienter vers de plus en plus de dettes pour pouvoir justement financer cette partie-là. Donc dans les prochaines années, donc ça va continuer de cette façon aussi, pour pouvoir continuer à faire face justement au programme. Hein. C'est un choix là-dessus, c'est une volonté de la majorité, il n'y a pas de débat là-dessus, mais voilà. Donc c'est le phénomène qui produit ça. Et donc du coup, avec ce programme, on a un impact directement dans la partie investissement. Et on est un petit peu surpris, quand on lit un petit peu justement sur la partie investissement, que le réaliser, lui, est à 50% de ce qui était prévu. Donc on en fait moins. Donc effectivement, il y a le programme, mais il faut aller le faire après derrière. Et pour le réaliser, donc là, aujourd'hui, je vous dirais qu'on est à peu près à la moitié de la vitesse qu'il faut atteindre. Donc, à quoi c'est dû? Donc, il y a peut-être quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas été peut-être trop ambitieux? On a peut-être chargé un petit peu davantage de ce programme et on se retrouve avec des programmes sur lesquels il faut aller faire face. Et pour y faire face, donc du coup, ça devient très, très compliqué puisque ça se traduit dans les chiffres. On n'arrive pas à tout réaliser. Et puis, potentiellement, donc à force d'avoir trop de programmes, potentiellement, on peut aussi se rater sur quelques projets. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur le gymnase Mauriac. Hein, on essaie d'avancer et puis derrière, on colle un petit peu à la réalité. On se retrouve avec des projets qui peuvent déraper. Donc, est-ce que l'ambition est plus forte que le moyen? C'est une question qu'on peut se poser. Les subventions, pareil, donc elles aussi, elles ont du mal à venir. Donc, c'est peut-être lié aussi pourquoi les subventions, les recettes en face sur les subventions aussi, elles n'ont pas le même rythme d'entrée. Et ça pose aussi d'autres questions, c'est que la partie emprunt elle-même, la partie emprunt sur laquelle justement on est parti chercher un petit peu du financement extérieur, on n'a pas pu tout résoudre, on n'a pas pu tout récupérer. Est-ce lié justement à un problème de niveau d'emprunt sur lequel on souhaite exiger pour pouvoir emprunter, aller chercher de l'argent et on ne trouve pas de réponse? Ou est-ce que c'est carrément qu'il y a eu des réelles difficultés, on a de réels problèmes de financement et on ne trouve pas de financement pour aller chercher cet argent qui nous manque? Donc voilà, donc juste pour faire simple et court, le programme, effectivement, du moins le choix de la majorité, se transcrit dans les comptes et on sent quelque part un petit peu une surchauffe sur ces points-là. Alors, je vais faire une rapide réponse et puis je laisserai techniquement Ronan répondre. Mais une partie de réponse, en fait, va se retrouver dans le débat qu'on avait déjà eu ensemble, d'ailleurs, dans quelques points à venir, sur les APCP. En fait, ça va clarifier la lecture du budget sur ces questions-là. J'ai le même problème, d'ailleurs, à la région. Il y a à distinguer l'exécution des travaux de l'exécution budgétaire. Ça me paraît être complètement anachronique. On pourrait imaginer les débats nationaux qu'on a pu avoir avec l'État il y a une quinzaine d'années. Vous savez, quand on avait notamment raccourci pour les collectivités les temps de paiement de factures des entreprises. Les collectivités étaient connues pour être beaucoup trop longues à payer les factures. Oui, c'est ça. Oui, mais j'essaie de. Vous avez invité à faire simple pour le public qui nous regarde, donc je fais simple. Il se trouve qu'en fait, on reçoit pas suffisamment vite les factures des entreprises. Je vais vous donner un exemple très concret, vérifiable. On finit les travaux de Jules Verne dans quelques jours, quelques semaines, à peine. On est sur un chantier à 2 600 000 euros. 2 600 000 euros, selon le budget. On a reçu à date, ville, 600 000 euros de facture. C'est très concret. Donc on a aussi une difficulté de la part de celles et ceux qui font les chantiers à faire rentrer dans les factures. On a un autre sujet, c'est qu'une fois qu'elles sont arrivées, il faut qu'on les paye vite. Hein. Voilà. Donc en matière d'inscription budgétaire, et notamment quand on glisse sur des projets comme ça d'école qui sont sur 2 ans d'exercice budgétaire, ça rend la lisibilité budgétaire compliquée. Sur la question que vous évoquez,
En tout cas, je l'ai prise comme ça. C'était peut-être entre deux lignes, ma lecture. Mais sur la question, parce qu'en fait, il y a de ça aussi qui compte, sur la question de la confiance potentielle des prêteurs. Ça compte. J'ai signé cet après-midi un emprunt à 20 millions d'euros avec une banque qui, contre d'autres, s'est battue pour nous prêter. Donc on est crédible. On est crédible. Y compris pour celles et ceux qui nous prêtent, et je pense que c'est important de se le redire. Et quant aux subventions, on est exactement aujourd'hui, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que la conjoncture, je vous rappelle qu'il s'agisse de la fiscalité, qu'il s'agisse de la PPI, la programmation pluriannuelle des investissements que l'on a initiée, nous l'avons initiée anté-Covid. Ce n'est pas anodin, hein, parce que c'est anté-Covid en temps. C'est anté-Covid en préparation, c'est anté-Covid donc anté-inflation. Ces subventions, nous les avons. Voilà. Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier les services qui se sont déchirés pour aller les chercher. Parfois d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait celle qu'on avait imaginée. Je vais donner un exemple très concret. Avant la crise sanitaire, il n'y a pas France Relance. Avant France Relance, il n'y a pas de fonds friche. Avant le fonds friche, il n'y a pas les 3 millions que l'on touche sur la Poste. Donc on a même eu la capacité à aller chercher des recettes nouvelles qui n'étaient pas précédemment atteignables. Renan, je te laisse compléter. Monsieur le maire, vous avez été vraiment complet et parfait, si je puis dire. Donc pour le coup, sans flagornerie aucune, je préfère qu'on y revienne. Effectivement, la question est très intéressante. Sur la lecture sur la partie investissement, des fameux restes à réaliser et du taux de consommation faible, mais c'est toujours comme ça. Sauf que nous allons changer de système, justement, pour permettre une meilleure lisibilité comptable du budget d'investissement. Mais je vous propose qu'on y revienne au point 13. Vas-y. Alors, on va peut-être passer au vote, là, sur... Oui, non, il va falloir que je sorte pour voter. C'est ça. J'attends de voir s'il y a d'autres questions sur ces pétrolines. Micro. Changeons plus de table. Pardon, je voulais juste savoir par rapport à la nomenclature M57, quand est-ce qu'on va y passer ? 1er janvier. On l'avait dit au vote du budget, donc 1er janvier. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions sur ces points 6, 7, 8, 9, 10, je vous laisse. Je cède la présidence à Daniel Valero. Alors, on va pas donc passer au vote et on va voter les points un par un, bien sûr. Alors, sur la délibération, le point 6, le compte de gestion 2022, budget principal, est-ce qu'il y a des votes contre ? Ah, il n'est pas sorti. Il n'a rien entendu. Alors, on recommence. Point 6, compte de gestion 2022, budget principal, est-ce qu'il y a des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non. Ah, si, pardon, 3. 3 abstentions. Et le reste... Ah ben bah voilà, il se passe des choses. Alors 3 et 2, plus vos pouvoirs, parce que vous avez un pouvoir, monsieur Sirigi. Et le reste en vote pour le point, la délibération numéro 7, compte de gestion, mais budget annexe des parkings. Est-ce que c'est le même vote ? C'est le même vote ? Même vote, voilà. Le compte administratif 2022, budget principal. Même vote, de ce côté-là, pareil. Le compte administratif 2022, budget annexe des parkings, pareil. Et l'affectation du résultat, budget principal, pareil. Ben voilà. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Normalement, il ne doit pas tomber. Si, il va revenir. Alors, sinon, on continue. Le budget supplémentaire 2023, Renan, budget principal. Donc là, pour le coup, nous revenons dans... ce que j'appelais tout à l'heure le budget et donc dans sa partie prévisionnelle, et on revient en 2023. Hein. En gros, on a clôturé 2022, on a dégagé un petit résultat qu'on a intégré et qu'on va intégrer dans le budget 2023. Et à l'occasion donc de cette intégration, de cette affectation du résultat dans le document prévisionnel pour nos dépenses de 2023, on va faire quelques ajustements parce que c'est la vie des budgets que d'être modifiés une fois, deux fois, trois fois dans l'année en fonction de la réalité. Sur la partie fonctionnement, nous vous proposons un ajustement de 800 000 euros et en dépenses et en recettes, parce qu'évidemment, quand on bouge,
Une section, il faut qu'on la bouge en recettes et en dépenses de la même manière, donc 800 000 euros. Alors, dans ces 800 000 euros, sur la partie recettes, bah, il y a déjà l'intégration des 620 000 euros de résultats définitifs qui tombent en section de fonctionnement. Et on a des ajustements. Alors, ça paraît des montants importants. Hein. On a, par exemple, 835 000 euros en moins sur impôts et taxes et 589 000 euros en plus sur dotation et participation. Alors, parfois, c'est des effets de vases communicants. C'est des montants importants, mais sur l'ensemble de notre budget de 118 millions d'euros de recettes, ça reste presque l'histoire d'un trait. Donc voilà, 800 000 euros en plus et en moins. Et puis sur nos dépenses de fonctionnement, on va rajouter 621 000 euros sur les charges à caractère général, très peu, 39 000 euros sur les charges de personnel. Mais entre-temps, entre la constitution de notre budget et la présentation, on a eu une annonce d'une augmentation du point d'indice de 1,5%. Et ce n'est pas dedans parce que c'était trop tard quand on a fait notre budget prévisionnel. Donc il est possible qu'on revienne à une autre modification du budget pour ajuster suite à cette deuxième augmentation du point d'indice. Et puis 104 000 euros de charges exceptionnelles. Voilà, donc des ajustements, j'allais dire, à la marge de notre budget supplémentaire, dont le point principal est l'intégration en fonctionnement des 620 000 euros dégagés. Et en investissement, nous augmentons le budget qui passe de 76 000 euros en dépenses et en recettes à 119 millions d'euros après donc, nos modifications, après donc des mouvements de 31 millions d'euros en plus au niveau des dépenses d'investissement et 22 millions d'euros de recettes d'investissement en plus. Je vous propose, s'il y a des questions encore sur cette partie investissement, qu'on le creuse un peu plus dans la délibération 13 sur les autorisations de programme et de crédits de paiement qui vont, à partir de l'année prochaine et du passage aussi à la M57, supprimer ces budgets d'investissement un peu gonflés par ce qu'on appelle les restes à réaliser. C'était la question de M. Garnit juste derrière. Merci Ronan, peut-être pour indiquer que dans le budget primitif, le budget prévisionnel, on avait déjà appréhendé une augmentation du point d'indice. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget supplémentaire? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, Ronan également. C'est une délibération un peu théorique qui revient chaque année. Elle est théorique pourquoi? Non pas du fait des financements qu'on obtient au travers du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France qui s'appelle le FSRIF. Ce fonds, ce n'est pas du tout de la région Île-de-France qui le verse, c'est l'État pour les communes de la région Île-de-France. On a touché 4,7 millions l'an dernier en 2022, en baisse de 8% par rapport à 2021, et sa baisse va continuer parce que ce fonds a probablement vocation à disparaître à terme. Et l'État nous demande de justifier finalement de l'utilisation de ce fonds, sauf que comptablement, il n'est pas affecté. En fait, il tombe dans le pot commun du budget et il n'est pas affecté comme peuvent l'être un certain nombre de subventions qui sont affectées à des opérations. Si on ne fait pas l'opération, on n'a pas la subvention. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, on identifie un certain nombre d'opérations qui, potentiellement, comptablement, ont été financées par ce fonds. Merci Ronan. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui. Ce fonds, justement, le FSRIF, justement, est lui destiné justement à l'amélioration du cadre de vie, notamment les actions sociales. On vous entend très mal. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de son. Je rapproche. Ouais. Il ne veut pas venir. Le bruit, est, en fait, ça fait un son sourd et on vous entend très mal. C'est peut-être ma voix. Il vient. Peut-être. Alors, ce fonds, lui, il est destiné un petit peu à répondre un petit peu aux besoins de nos concitoyens, aussi bien dans leur cadre de vie, mais aussi sur le plan social. On peut y lire à l'intérieur une ligne sur la partie justement de la vidéo protection urbaine. On a vu ces derniers mois justement fleurir justement tout un nouveau panel de caméras un petit peu partout, notamment sur les entrées de ville.
Et on se posait un petit peu cette question sur cette vidéoprotection, parce qu'en fait, ça augmente pas mal, et puis on essayait de comprendre un petit peu, ou savoir un petit peu quel était l'usage de ces nouvelles caméras juste au niveau des entrées de ville, qui sont pas tout à fait les mêmes que celles de la protection habituelle. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer ou infirmer le fait que ces caméras-là ne servent pas à la vidéo-verbalisation Elles servent à identifier les plaques. Je vais donner un exemple très concret. Une dame à 5h du matin traverse au parc Olièvre il y a 2 ans et demi. Elle se fait shooter par une voiture. Shooter. On a la vidéo. C'est pas très joli à regarder. Elle s'en sort miraculeusement. On arrive à suivre la voiture avec nos caméras, mais on a du mal à identifier la plaque parce qu'on n'a pas des caméras spécialisées pour la lecture de plaques. Et la voiture s'en va d'Evry. On n'identifiera jamais la personne qui a fait ça. Donc on s'est protégé en mettant des caméras qui en effet sont un peu différentes et qui permettent la lecture des plaques de toutes les entrées et sorties de la ville. Voilà, c'est un complément de sécurité. Donc elles ne sont pas reliées, donc on ne se sert pas pour faire des amendes. Non, non. Lecture de plaques. Voilà, mettre des amendes, il faudrait vraiment qu'elles soient orientées strictement sur la ville, etc. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce point... Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Point suivant, les fameuses APCP. Voilà. Vous abstenez, hein. Agissons citoyens, abstention. Renan, APCP. Alors, les APCP, je vais essayer de vous l'expliquer la manière la plus simple possible pour reprendre finalement l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure. On dit, mais comment ça se fait? On a un budget d'investissement considérable et à la fin, on voit qu'on n'en dépense que 50%. Et déjà, 50%, c'est beaucoup. Par rapport à notre pratique comptable actuelle qui va donc changer si vous votez cette délibération. Pour prendre un exemple, quand on commande un gymnase, 10 millions d'euros par exemple, voilà, pour toi, t'aimes beaucoup les gymnases, voilà. Quand on commande un nouveau gymnase ou tout type de travaux, le principe c'est quand on s'engage contractuellement avec donc le promoteur, enfin le constructeur du gymnase, il faut que nous ayons pris une décision et que ça se traduise dans notre budget, une décision budgétaire, pour que le budget qui va servir à payer justement le constructeur soit inscrit dans notre budget. Et donc, aujourd'hui, jusqu'à notre pratique, et jusqu'à 2022, et on va le modifier en 2023, notamment en prévision du passage à la M57, qui, elle, impose cette pratique-là, eh bien, donc en gros, aujourd'hui, quand on commande un gymnase, on signe un contrat, eh bien, les 10 millions, on les intègre en dépenses dans le budget en cours, de l'année en cours, comme si les 10 millions, on allait les dépenser à 100% dans le budget en cours. Et on inscrit les recettes correspondantes, 8 millions, 5 millions, dans le même budget en cours, comme si on allait recevoir les subventions pour payer le gymnase d'Yvan tout de suite dans la même année. Et comme ça ne se réalise jamais dans une même année, des fois c'est sur plusieurs années, parce qu'il y a les travaux d'études, etc., etc., eh bien, on intègre artificiellement des dépenses et des recettes dans un budget annuel, et comme on ne les consomme pas, évidemment, on peut en consommer un petit bout, mais pas l'intégralité, eh bien, on a ce qu'on appelle des restes à réaliser. Donc déjà, on a une consommation qui est beaucoup plus faible, 50% cette année, par rapport à ce qu'on a voté, parce qu'on a dû s'engager sur des montants importants, mais on n'a pas dépensé ces montants-là dans l'année. Et donc, on a ce qu'on appelle des restes à réaliser en dépenses et en recettes. Un profane, il n'y comprend rien du tout. Même moi, au début, j'ai eu du mal à comprendre cette mécanique. Et donc, les fameux restes à réaliser, c'est toutes les inscriptions qu'on a dû porter dans un budget annuel, sachant qu'on ne les réalisera pas, parce que c'est matériellement pas possible. Et donc, ça se traduit par un report des restes à réaliser en dépenses et en recettes sur l'année suivante, et ça fait boule de neige. Et donc on a toujours des restes à réaliser, on a toujours des budgets d'investissement beaucoup plus importants que ce dont on a véritablement besoin pour l'année. Et donc il y a une autre mécanique comptable qui est très intéressante, qu'on aurait pu mettre en place il y a plusieurs années dans la M14, c'était déjà possible. C'est la nomenclature actuelle que nous allons quitter l'année prochaine. Donc l'idée c'est de dire, comme le constructeur il a besoin, puis de toute façon c'est les normes comptables, que dans un acte budgétaire, on intègre les fameux 10 millions au moment où on signe le contrat. Bon, eh bien, plutôt que d'intégrer ces 10 millions dans le budget de l'année, on va avoir un document budgétaire à part du budget annuel
qui va être un budget pluriannuel, un document pluriannuel, dans lequel qu'on va voter, évidemment, parce que c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que le conseil municipal s'engage, en gros s'engage à payer le constructeur du gymnase, mais ça n'apparaîtra pas intégralement dans le budget de l'année, ça apparaîtra dans le budget de l'année que pour la partie qu'on prévoit de payer dans cette année en question. Et donc ça va, entre guillemets, tuer cette notion de reste à réaliser, et on aura des budgets d'investissement qui sont plus proches de l'exécution, et on aura en principe à la fin, une fois qu'on aura mis en place cette technique, un taux de consommation de notre budget d'investissement plus proche des 100% que ce qu'on a aujourd'hui, plus proche des 40% en moyenne. Donc je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, quand on va s'engager à construire un immeuble à 10 millions, ils n'apparaîtront plus à 100% dans l'année en question, mais ils vont apparaître dans un autre document, ces 10 millions, et par contre, dans le budget annuel, on ne va intégrer que ce qu'on va payer réellement. Donc les autorisations de programme, c'est ce document pluriannuel dans lequel figurera ces fameux 10 millions qu'on va ventiler sur plusieurs années, et les crédits de paiement, eux, vont apparaître dans les budgets annuels. Et donc c'est un autre document que nous voterons et qu'on vous propose de voter aujourd'hui, hein. Ce n'est pas uniquement théorique. Donc vous avez un document sur plusieurs années de 2023 à 2028 pour un montant total d'autorisation de 224 millions et 752 000 euros, donc 224 millions qu'on met dans ce document sur plusieurs années jusqu'en 2028. Et nous avons découpé sur les années 2023-2028 les crédits qui vont, eux, automatiquement tomber dans chacun des budgets annuels que nous voterons. C'est-à-dire que quand on votera le budget 2024, on sait qu'on a déjà 65 millions là qui vont tomber automatiquement dans notre budget 2024. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on va vraiment dépenser en 2024. J'espère avoir été clair. Non, mais ça, du coup, ça explique une partie du débat qu'on avait tout à l'heure. Donc, et pour le coup, c'est une procédure dont celles et ceux qui travaillent ou qui ont exercé dans des structures plus grandes, je pense au département, nous à la région par exemple, des procédés avec lesquels on est très habitué sur des investissements, je pense par exemple au ferré qui dure sur plusieurs années. Quoi. Ça donne une clarté budgétaire beaucoup plus importante. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Évidemment un peu technique, mais important. Pas une question, mais juste effectivement une remarque. En fait, effectivement, ce programme... vous m'entendez? C'est vous qui avez des problèmes aux oreilles? Non, parce que mes petits camarades de jeu sur le côté disent la même chose. Je l'ai dit doucement, vous m'avez entendu, je confirme. effectivement, donc l'explication en fait de ce programme, c'est plutôt ce qu'on y met dedans, en fait, et le poids de ce que ça représente et de l'effort que ça représente au fur et à mesure. Donc, ce que je voulais souligner tout à l'heure, c'était pas la mécanique en elle-même, je comprends bien, mais c'est plutôt le programme ambitieux et puis les conséquences que ça peut avoir sur notre fonctionnement, sur notre capacité, sur notre dette, etc. Voilà, donc c'est plutôt là-dessus, et puis là-dessus, on le voit, il y a 200 et quelques millions dessus, et puis c'est comment on fait pour y faire face et quelles sont les répercussions qu'on peut avoir, et puis c'est des arbitrages que la majorité a décidé, là-dessus, il n'y a pas de débat, et c'est juste souligner ce point-là. Que, bien sûr. C'est une stratégie qui est claire, assumée et expliquée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Il n'y en a pas, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, sortie d'actifs. Renan? Pour le coup, c'est un apurement du bilan. Hein. Vous savez que quand on achète des biens, même à faible valeur, parce qu'on en a fixé la limite, on les amortit. Et quand on les amortit, ça veut dire qu'on met chaque année de côté de l'argent pour les remplacer. Et il rentre dans un bilan. Et quand un objet rentre dans un bilan, au bout de sa période d'amortissement, dans le bilan, il ne vaut plus rien. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, il ne vaut plus rien, parce qu'il peut être tout à fait fonctionnel et être utilisé, voire être vendu, etc. Mais comptablement, une fois qu'il est amorti, il ne vaut plus rien. Donc là, l'objectif de cette délibération, et on vous a listé, il y a des jouets, il y a des tables, il y a plein de trucs. Enfin, la liste est vraiment phénoménale. Donc on a fait une revue d'inventaire et tous ces biens qui, de faible valeur, en dessous de 1000 euros, qui sont amortis, nous vous proposons de les sortir de notre bilan. Question sur ce point. Il s'agit là juste d'une écriture comptable. Hein. Pas d'autres questions, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie, Renan. Fait, c'est purement comptable. Les biens en question, ils peuvent toujours servir, et s'ils ne sont pas endommagés, ils serviront toujours.
Ensuite, nous avons une autre délibération, excusez-moi, c'est encore un peu technique, mais quand on lance des études pour, par exemple, construire un gymnase à monsieur, enfin, demandé par Yvan, parce qu'il n'y a pas que toi qui les utilise, eh bien, il y a une première phase d'étude. Et cette phase d'étude, quand on la paye, cette phase d'étude, on ne récupère pas la TVA dessus. Par contre, si on va au bout du projet, parce qu'au bout de l'étude, on peut dire on s'arrête, on fait pas. Mais si on va au bout du projet et qu'on réalise le fameux gymnase, eh bien, une fois que le gymnase est réalisé, les dépenses d'études, on les réintègre dans la dépense générale du projet de construction. Et à ce moment-là, on peut récupérer la TVA. Voilà, c'est juste l'objet de cette délibération. Merci Ronan, je crois que c'est la troisième année de procédure ainsi. Merci. J'avais juste une question, et lorsque ces études sont faites en interne, est-ce qu'elles sont, elles, réintégrées ? Les études faites en interne, hein ? Elles ne sont pas en investissement quand elles sont en interne. Parce que forcément, elles pèsent sur le personnel. Et donc sur les coûts. Elles ne sont pas basculées justement en investissement pour venir intégrer le coût de l'investissement. Non, donc, quand on passe par un cabinet extérieur, elles rentrent dans le coût d'investissement. C'est ça. Pas d'autres questions ? Pas de vote contre ? Je vous remercie. Ajustement tarifaire ? On sort complètement des questions budgétaires, si je puis dire, puisque là, on est dans la partie vie au quotidien et réservation des repas, réservation du centre de loisirs, etc. Vous vous souvenez que... Alors, je crois que c'était au 1er septembre 2023, à compter du 1er septembre, on a mis en place une nouvelle procédure qui nécessite la réservation. J'ai plus les délais parce que mes enfants sont plus en école. Je crois que c'est 3 semaines ou 2 semaines. 15 jours. C'est-à-dire 15 jours avant la participation à la restauration scolaire ou au centre de loisirs, sur Internet ou par voie papier, les parents doivent donc réserver la fréquentation de leur enfant et à la restauration scolaire et au centre de loisirs. Et en précisant la nature du repas, parce que, évidemment, la réservation a été mise en place, puisque maintenant, il y a deux types de repas différents. Donc, déjà avant, quand il y avait un seul type de repas, la gestion sans réservation était quand même un peu compliquée. Parfois, on pouvait se tromper dans la fabrication des repas, du nombre, etc., parce que c'était sur des prévisions. Bon. Mais là, quand on a deux repas sans réservation, ça aurait été pas possible à faire. Et à ce moment-là, quand on a mis en place cette nouvelle mécanique et ce nouveau besoin de réservation, on a dit qu'effectivement, à un moment donné, il y aura une phase de rodage qui va se terminer, et une deuxième phase arrivera donc en septembre 2023, pour le coup, puisque la réservation a été mise en place en janvier 2023, et à compter de septembre, donc à la rentrée, les parents qui n'auront pas réservé soit les repas, soit le centre de loisirs, mais qui enverront quand même leur enfant le jour même, comme ça se faisait dans le temps, eh bien, les enfants seront accueillis, bien sûr, ils ne seront pas mis à la porte, mais la facturation sera majorée de 50% pour tenir compte de la différence entre les personnes qui auront réservé et ceux qui n'auront pas réservé. C'est-à-dire qu'on ne bloque pas le service, bien sûr, parce que ça peut tout à fait arriver qu'on n'avait pas prévu de réserver, puis il y a un imprévu, on doit quand même... fréquenter la restauration scolaire ou le centre de loisirs, c'était pas prévu, c'est de l'occasionnel, eh bien, il y aura une surfacturation de 50%. Si on ne mettait pas cette pénalité, si je puis dire, enfin, cette majoration pour les personnes qui ne réserveraient pas, eh bien, finalement, très, très, très rapidement, les personnes comprendront qu'il n'y a pas matière à réserver, puisque qu'on réserve ou qu'on ne réserve pas, c'est le même effet qui s'applique. Donc voilà, c'était déjà prévu initialement, mais on n'avait pas délibéré sur cette augmentation. Merci Ronan, on a évidemment benchmarké toutes les villes qui sont en réservation comme nous, et elles mettent toutes en place ce dispositif. Bon, même d'ailleurs beaucoup plus loin, y compris dans des villes qui nous entourent, puisqu'elles refusent les enfants en centre de loisirs qui ne sont pas inscrits en amont. C'est-à-dire qu'elles ne surfacturent pas, elles refusent même l'accès au centre de loisirs, ce qui n'est pas le cas chez nous. Petit point, nous avions sur la partie évrienne une tarification un peu particulière, toujours pour se mettre en quatre, pour essayer d'être répondre au mieux aux besoins des parents. On a des enfants qui vont à l'accueil donc après l'école, organisé par l'éducation nationale. Sauf que cet accueil, il dure moins longtemps que l'accueil municipal. Et donc, on a des enfants qui ont besoin de rester longtemps le soir en attendant les parents qui reviennent de Paris ou autre, et donc des enfants qui
et des parents qui demandent, à l'issue de la période du temps pris par l'éducation nationale, de pouvoir continuer et basculer sur le temps municipal. Sauf qu'ils font en gros la moitié du temps. Voilà. Donc là, alors, il y a plein de villes qui disent non, si vous avez commencé sur le temps éducation nationale, eh ben, vous ne rebasculez pas sur le temps municipal. Nous, évidemment, on souhaite autoriser cette bascule-là pour les parents. Et donc, on a un tarif qui sera un demi-tarif. Hein, pour le coup, là, c'est la moitié pour ces enfants. Et ils ne paieront que la moitié du tarif plutôt que de payer l'intégralité. Merci, Renan, de cette précision qui est quand même plutôt aidante. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Samia ? Oui, d'après ce que j'entends, vous parliez d'imprévus et que ces personnes-là qui ont des imprévus aurait par conséquence cette pénalité. Enfin, nous considérons que quand même, sur cette ville, il y a pas mal de familles en difficulté et qu'une pénalité sur le coût de la réservation de la cantine ou du périscolaire pourrait être quand même compliquée pour pas mal de familles. Après, je pense qu'on considère, nous en tout cas, que ce n'est pas une position qu'on peut prendre. Qu'on votera contre, parce qu'il y a des familles trop en difficulté pour pouvoir mettre cette politique de taper au portefeuille. Voilà, merci. Bien, je veux bien répondre, Samir. Le micro est un peu long. Pour dire que, rappeler le calendrier, mais ça a été dit par Renan que l'on est sur ce nouveau service. Là, je parle que de la restauration, hein, sujet que je maîtrise le mieux. Je te laisserai, Corinne, si tu veux dire un mot après, mais qui a été mis en place donc début janvier. Depuis le début, le contrat est clair, y compris nous en matière de communication vis-à-vis des familles. Depuis que, avec mes collègues, je suis sur le secteur éducation, on fait quand même des réunions régulièrement avec les parents d'élèves élus. On a des campagnes de communication très régulières, que ce soit dans les cartables, que ce soit sur le guichet famille en ligne, etc., pour prévenir depuis le mois de janvier qu'à partir du mois de septembre, il y aurait la pénalité en cas de non-réservation dans le cadre préétabli. Évidemment qu'il y a eu un travail qui a été fait entre-temps pour réduire petit à petit le nombre de familles qui ne pré-réservaient pas le repas. De telle sorte que, on va dire qu'un mois après le lancement du nouveau service, on était à 50-60% de pré-réservation, ce qui était déjà un taux plutôt important pour un nouveau service et aujourd'hui, à date, j'ai pas les derniers chiffres, mais à la fin du mois de mai, quand on a fait un point avec les parents d'élèves élus, on était à quasiment 90% de pré-réservation, que ce soit en ligne, on a simplifié les choses au maximum, ou au format papier, parce que la loi nous oblige à garder un format papier, et donc le format papier va être conservé pour la suite, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés aussi d'accès, même si, encore une fois, la plateforme a été simplifiée et qu'on accompagne les familles qui ont des difficultés, mais que voilà, il y a des familles qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil numérique. Le contrat a été clair depuis le début, donc début septembre, pénalité de 50% pour non-réservation, ce qui ne nous empêche pas, par ailleurs, ce qu'on fait depuis le début, d'être attentif aux fameux cas particuliers et individuels. Je prends un exemple, une maman qui, par exemple, est infirmière à l'hôpital, qui est en horaire de nuit, qui a son planning des fois une semaine avant, évidemment qu'on regarde la situation et chaque situation individuellement avec beaucoup d'attention. Donc on a simplifié aussi la justification d'absence. Au tout début du service, on a envisagé de demander un justificatif médical pour justifier que l'enfant n'était pas pour pas payer le repas que l'enfant n'avait pas pris parce qu'il n'était pas à l'école. On a simplifié la procédure après échange avec les parents d'élèves élus, de telle sorte que aujourd'hui, quand vous vous connectez sur l'espace en ligne, il y a un formulaire pré-rempli d'attestation sur l'honneur, disant voilà, mon enfant a été malade. Donc voilà, on a simplifié aussi les choses de ce côté-là. Mais sur les cas individuels, évidemment qu'il ne faut pas hésiter. Il y a le guichet famille est là pour ça. Et nous, on regarde avec beaucoup de bienveillance, évidemment, chaque situation. Mais vous comprendrez bien que quand on sert 5000 repas par jour dans une ville comme la nôtre, il faut bien édicter un minimum de règles. Et que par ailleurs, dernier point, pardon, je parlais des 90% qui aujourd'hui, entre 90 et 95% qui étaient passés à la préinscription. Pour les 5%, ça concerne encore quelques dizaines de familles qui, depuis le mois de janvier, n'en font rien. Pour le coup, on engage un travail là depuis 15 jours et jusqu'à la rentrée avec les services, le service éducation, pour faire maintenant du bouton de manchette. Et c'est nous qui maintenant allons prendre contact de manière individuelle avec les familles qui n'ont pas encore accédé à la pré-réservation pour les accompagner dans le processus, de telle sorte qu'à partir de la rentrée, même si on n'arrivera jamais à 100%, 100,00% de préinscription, mais qu'on s'en approche le plus possible. Donc maintenant, on va faire du fignolage et du cas par cas. Merci Mehdi, c'est très clair. Rafik ?
Merci pour ces précisions. En fait, le propos en fait, qu'on nous souhaitait souligner, c'est qu'effectivement, cette rigidité un petit peu et de passer par l'outil numérique, vous avez bien évoqué les problématiques que ça peut engendrer. L'idée, alors là, peut-être que c'est une proposition qu'on peut vous faire, c'est éventuellement, au lieu de partir directement sur une problématique des 50% systématique, on le voit bien, ce qui va proposer problème, en fait, la finalité, c'est de pouvoir au moins faciliter la logistique derrière, hein, c'est l'anticipation pour éviter des problématiques de logistique derrière. C'est éventuellement de prévenir et puis de voir un petit peu les problématiques récurrentes. Ce sont ceux-là qui peuvent poser problème et qui sont systématiquement et qui sont, entre guillemets, sanctionnés, mais sanctionnés directement... Non, mais c'est l'inverse, Rafik, pardon. En fait, on dit la même chose. Franchement, on dit la même chose. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on ait un principe légal. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas ne pas délibérer et décider qu'on surfacture ceux qui font mal. On est obligé de délibérer et après, comme c'est déjà fait depuis janvier, par discernement en fonction des cas par cas, on adapte en fonction de la situation. On ne peut pas fonctionner dans l'autre sens légalement. Donc on est obligé d'avoir une base légale, dont je rappelle encore une fois, hein, que dans toutes les villes qui nous entourent, qu'elles soient populaires ou qu'elles ne soient pas populaires, qui ont la préservation, appliquent exactement le même fonctionnement. Après, c'est la question du discernement, de la qualité d'accompagnement, d'écoute, qui est naturelle. On n'est pas là pour sanctionner, on est là pour lutter contre le gâchis alimentaire. On a un enseignant la semaine dernière qui a fait un travail extraordinaire dans une école avec ses enfants et qui ont mesuré en kilos le gâchis alimentaire encore sur une journée et ils l'ont projeté sur une année, c'est juste vertigineux. Donc il y a aussi tous ces champs-là, c'est-à-dire qu'il y a évidemment l'accompagnement social des familles qu'évoquait Samir, mais enfin en même temps, toutes et tous ici, me semble-t-il, on partage aussi les questions de transition écologique et sociale, de lutte contre le gâchis, etc., etc. Quasiment tout le monde réclamait qu'il y ait le choix entre deux menus, tout ça. Enfin bon, bref, donc, on a quand même essayé de mettre en place un truc, sauf qu'après, il faut quand même résoudre l'équation. Il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne à l'échelle d'une ville de 80 000 habitants qui sert entre 5 et 6 000 repas tous les jours. Voilà, donc on crée un cadre. Après, et d'ailleurs, au demeurant, tout le monde nous avait annoncé la révolution dans les quartiers en janvier quand on a mis en place ce système de restauration. Enfin, pardon de le dire, mais on l'attend toujours, la révolution. C'est-à-dire que les services ont fait un travail colossal. Les élus ont fait un travail de concertation avec les associations de parents d'élèves colossal et ont fait preuve de discernement au cas par cas. Et au cas par cas, quand on était à 50% de pré-réservation en janvier, ça fait du cas par cas à 2500 personnes quand même, hein. Donc il y a un travail très très fin qui est fait, il ne s'agit pas de sanctionner pour sanctionner, ce n'est absolument pas l'état d'esprit. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce point, Monsieur Serigi, micro, Monsieur Serigi, je ne sais plus comment le dire en fait. Ah ouais, j'ai un problème avec le micro. Ah oui, je confirme, je confirme. On est quand même à mi-mandat là, hein, donc... Vous savez, j'adhère à ce que vous avez dit, les uns et les autres, l'opposition, c'est que vous, si c'est pour améliorer le système... On est tout à fait d'accord. Mais c'est juste que ça soit répressif pour les gens qui sont au RSA, c'est pas bon. Pas plus loin qu'hier, je vous assure qu'une femme avec 4 gosses, elle est venue chez moi, à la maison, demander de l'aide. Elle avait 40 euros dans son compte bancaire. Non, mais c'est pas le. Enfin, ah, ok, non, on entend bien la problématique sociale de la ville, elle on la connaît. Les gosses qui vont à l'école. Mais oui, c'est pas ce sujet-là. Enfin. Oui, je reçois aussi 25 familles la semaine dernière dans ma permanence, 4 qui vont être expulsées la semaine prochaine. Voilà, on peut aussi cumuler tout ça, mais ce n'est pas ce sujet précis de la délibération qui est là. C'est, on peut... c'est des enfants, voilà. Mais, évidemment, et ils sont acceptés. Enfin, ne tombons pas à l'inverse dans le misérabilisme. Hein. Il n'y a pas d'enfant qui n'est pas accepté, ni dans la cantine, ni en centre de loisirs. J'insiste, ce n'est pas le cas dans certaines villes qui nous entourent. J'insiste. Les parents arrivent le mercredi matin avec les enfants à l'entrée du centre de loisirs. Il n'est pas inscrit, il rentre chez lui. Nous, on les prend. Donc, ne basculons pas dans l'inverse. On est tous là pour essayer d'accompagner les familles qui sont en difficulté. Je pense qu'on y passe tous notre vie, quel que soit le statut que l'on a autour de cette table. Ça n'est pas ça. Là, on fixe un cap, une règle, qu'il s'agira ensuite, comme nous l'avons fait en janvier, d'appliquer avec le plus grand discernement, évidemment. Je soumets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. Bonsoir à tous. Je voulais poser une question, excusez-moi. Je voulais savoir, en fait, le cas des personnes qui inscrivent leurs enfants et qui réservent et qui ne viennent pas, est-ce que des sanctions sont prévues pour eux ou pas, ou des pénalités? C'est payé, donc... Oui, mais à la rigueur, en fait, autant agir sur eux en leur faisant payer deux fois plus cher le repas, pour, en fait, parce qu'ils prennent une place quand même, et il y a aussi un impact aussi sur le repas qui est consommé. On ne peut pas fonctionner comme ça, parce que la personne qui avait réservé et qui, pour le coup, ne vient pas, peut aussi le faire pour des raisons graves, pour des raisons sérieuses, etc. C'est valable dans les deux sens. Donc on a un cadre
Encore une fois, on a un cadre et on le juge avec discernement dans les deux sens, évidemment. Évidemment, on ne peut pas faire autrement, de toute façon. Enfin, encore une fois, on parle de plus de 5000... Vas-y. J'étais en commission restauration il y a deux jours avec Corinne. Le prestataire nous informe que chaque jour, il y a au moins 1000 repas qui ne sont pas réservés. Donc les cas d'absence, ce n'est jamais de la nourriture perdue, c'est de la nourriture qui va être donnée à des enfants dont les parents n'ont pas réservé. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de gâchis. La raison de l'absence implique qu'il y a paiement ou non, puisqu'en cas de maladie justifiée par une attestation sur l'honneur, les repas ne sont pas facturés aux familles. Voilà, donc ça marche pour te rassurer juste, dans les deux sens. Juste pour compléter mon propos, en fait, effectivement, on parle de la cantine, mais il y a aussi le centre de loisirs. Et je sais qu'en fait, les places, des fois, en fait, elles sont chères. Et on a des gens qui veulent bénéficier de places qui n'en profitent pas parce qu'elles ont été réservées et pas honorées. Et donc dans certaines communes, il est en fait exercé ce type de sanctions. Donc c'est pour ça. C'est juste une contribution. Après, je vous en oblige en aucun cas. Merci beaucoup. Bien, j'avais donc. Je reprends peut-être le vote pour être plus précis. Qui vote contre ? Agissons citoyens, votez contre. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ronan, une petite dernière quand même ? Une petite dernière avant de revenir sur d'autres sujets. Un sujet absolument pas du tout passionnant. Mais nous vendons un vieux trafic, un fourgon, hein, j'entends. Je vous passe l'immatriculation aux enchères, puisqu'on a contractualisé avec une plateforme qui nous permet de faire des enchères. Et on l'a vendu, alors pré-vendu, il faut notre aval, 7 039 €. Ça s'appelle de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Merci Ronan de ce petit marathon. Une pensée pour notre copain Jean Caron. Et point numéro 18. Oui, il reviendra à la fin pour ses sujets habituels. Najwa. Bonsoir. Merci Monsieur le maire. Alors, depuis 2006, la ville d'Évry-Courcouronnes et le camp de réfugiés de Khan Younis, représentés par son comité populaire, sont liés par un accord visant à renforcer les actions de coopération entre les deux territoires dans différents domaines, notamment la jeunesse et l'éducation. J'attire votre attention sur le fait que la ville d'Évry-Courcouronnes a cessé les activités de coopération en 2007, suite à la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Malgré ce contexte, la ville d'Évry-Courcouronnes a souhaité maintenir son appui direct aux populations du camp en apportant ponctuellement son soutien à différentes actions, notamment pour l'organisation des cours de français. Il faut savoir que la langue française est la deuxième langue étrangère enseignée en Palestine, après la langue anglaise. Et donc, par l'apprentissage du français, il s'agit de contribuer à répondre aux différents défis éducatifs auxquels doivent faire face les populations du camp. Mais aussi, c'est une manière de valoriser le dialogue interculturel. Pour rappel, entre 2016 et 2022, la ville d'Évry-Courcouronnes a apporté son soutien à l'Institut français de Jérusalem, antenne de Gaza, pour le financement de cours de français à destination de jeunes adultes du camp de réfugiés. Alors, je ne sais pas si je prononce, parce que quand j'ai dit Khan Younis, on m'a un peu repris. Je ne sais pas si c'est la bonne, en tous les cas, prononciation, mais je continue. Donc, je rappelle que cette population est particulièrement fragilisée, notamment au regard du contexte politique, économique et social. En 2023, je vous rappelle également qu'en 2023, il est proposé de reconduire une subvention à destination de l'Institut français de Gaza qui permettra, en lien avec les partenaires locaux, de proposer une offre de cours de français sur mesure dispensée sur place par un professeur de l'Institut français de Gaza et qui cibleront notamment des jeunes du camp. Les cours concerneront 15 ou 16 jeunes et seront échelonnés sur 90 heures entre le 6 août et le 1er décembre 2023, avec pour objectif le passage d'un examen certifiant de niveau A1.
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 4 000 euros à l'Institut français de Jérusalem afin de mettre en œuvre des sessions d'apprentissage de la langue française à destination des jeunes du camp de réfugiés de Khan Younis. Merci Najwa. Pour moi, c'était Khan Younis. Khan Younis, mais pour toi, mais c'est... Je suis pas sûr que ce soit un i, en fait. Khan Younis, ok. Ça se regarde. Hein? C'est S, hein? ES? Oui, c'est ES. IS? Non, ES. Ouais, on est d'accord, ES, ouais, c'est bien ça. Mais c'est pour ça, en fait, que ça nous a accroché l'oreille, mais c'est en effet écrit avec un i. Tu as raison, c'est une faute. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Merci, Najwa. Pascal, 19. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Donc là, il s'agit du versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Club des temps de loisirs. Simplement rappeler que le CDL, en abrégé, voilà, est une association qui regroupe des retraités, des pré-retraités, des seniors, et qui s'est créée historiquement sur la commune de Courcouronnes. Et donc la commune souhaitant soutenir le Club des temps de loisirs dans ses actions notamment de convivialité et de partage qu'il porte et qu'il souhaite renforcer, propose voilà, le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 700 euros à cette association pour l'année 2023. Merci Pascal. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Point 20. Virginie. Bonsoir. Donc il s'agit de nouveau de l'appel à projet de lutte contre les violences faites aux femmes en 2023. Nous avons reçu 11 associations ont déposé un dossier de demande de subvention cette année. Suite aux échanges avec les associations, donc porteuses de projets, grâce au recueil technique aussi des agents municipaux, et je les remercie d'ailleurs de tout le travail qu'ils ont pu faire pour cet appel à projet, on a une proposition d'attribution de subvention dont le montant total est de 15 000 euros. Donc je remercie aussi parce que c'est un montant qui a encore augmenté et nous avions pour 40 000 euros de demande. Au terme de l'instruction, donc 7 projets ont été retenus, donc l'accompagnement des femmes victimes de violences porté par le CIDFF à hauteur de 4 000 euros, un stage ciné-théâtre sur les violences faites aux femmes porté par l'association Marianne Film, 1 000 euros, une action de sensibilisation et de prévention auprès des enfants et des familles portée par Génération Femmes, 1 500 euros, une sensibilisation et prévention des violences faites aux femmes par l'association à travers le jeu porté par l'association FIAISME à hauteur de 1 500 euros. La création d'un guide ressources pour rompre l'isolement des femmes, en particulier des femmes victimes de violences conjugales, porté par l'association Voisins Malins à hauteur de 1 500 euros. À bas les femmes, aimons-nous, porté par l'association Evry Femmes d'Espoir à hauteur de 1 500 euros. Et des podcasts mixtes pour une jeunesse engagée, porté par l'association AJA 91 à hauteur de 3 000 euros. Alors on a essayé de voir au niveau de tous les territoires et des besoins en fait du territoire pour l'association de cet appel à projet. Nous avons également un dossier qui a été déposé de la part de l'association Esmos Event qu'on n'a pas pu auditionner ou rencontrer. On la voit la semaine prochaine pour des raisons impérieuses à leur association. Et donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser le versement de ces subventions aux associations dont les projets ont été retenus. Merci Virginie, merci du sérieux que tu mets dans ces dossiers. Y a-t-il des questions, Rafik ? Oui, on se réjouit effectivement que ce budget, la somme allouée a augmenté sur ce point-là. Simplement, en regardant un petit peu par rapport à l'an dernier et les demandeurs qu'avait fait l'an dernier, on s'est rendu compte qu'il y a une association qui avait déjà été rejetée deux fois, elle a encore rejeté cette année. Donc on s'est posé un petit peu la question sur les critères d'attribution. En fait, pour le coup, elle a déposé le même dossier que l'an dernier. Exactement le même. On l'avait vu, on a proposé, pour les trois associations qui n'ont pas été retenues là, on a proposé en fait un accompagnement technique, une rencontre. Il y avait une association qui venait de Corbeil pour une action sur le territoire, mais qui ne connaissait pas encore tout à fait le réseau et le maillage. Et l'idée était de les accompagner pour qu'ils puissent rencontrer ou des maisons de quartier ou des personnes qui pouvaient les aider aussi à mettre en place ce projet. Donc là, pour le dossier que vous soumettez, c'est parce que... C'est très technique, en fait, les violences conjugales. C'est quelque chose avec un public qui est fragilisé, donc la sensibilisation. Donc, on prend des avis derrière. Et là, le dossier n'était pas possible l'an dernier. Comme c'était le même, on ne pouvait pas donner la subvention pour un même dossier, s'il a déjà été refusé une fois. Merci, Virginie, et merci d'accompagner, y compris celles et ceux qui ne sont pas acceptés. Y a-t-il d'autres questions sur ce point ? Des votes contre, des abstentions,
Je vous remercie. Point 21, Pascal. Oui, donc là, il s'agit de la programmation estivale 2023 et du versement de subventions aux associations dans ce cadre. Donc, comme l'an passé et l'année d'avant, voilà, on a lancé un appel à projet principalement lié aux animations pour l'été, autour de plusieurs objectifs, notamment proposer une programmation attractive, variée, festive, autour du sport, de la culture, des loisirs, et principalement aussi en complémentarité aux animations existantes, d'inventer de nouveaux formats, de couvrir les 2 mois de l'été, de cibler un public jeune, les familles, les seniors, et de faciliter la participation et la contribution des partenaires et des habitants. On a reçu tous les dossiers, il y a eu un jury qui s'est mis en place, voilà, avec aussi bien des élus, des administratifs, et on a retenu 18 dossiers, donc c'est les 18 que vous avez en annexe, pour un montant total de 30 000 euros, en sachant qu'on a aussi privilégié des structures peut-être un petit peu plus petites en termes d'associations, voilà, en sachant que des structures plus importantes avaient des budgets qui pouvaient leur permettre d'assurer les actions sur l'été. Donc 18 associations que vous avez en annexe, un budget global de 30 000 euros pour la programmation estivale 2023. Merci Pascal, des questions sur ce point ? Oui, très bien, effectivement, c'est plutôt intéressant de voir un petit peu cette partie-là au niveau des festivités. Et en fait, j'ai juste un éclaircissement ou un point. En fait, j'ai vu que Femme Espoir, c'est Evry Femme Espoir, qui organisait un tournoi de baseball. Est-ce qu'on, de façon générale, on associe un petit peu nos clubs à venir un petit peu contribuer ou participer à ce qu'ils viennent un petit peu dans nos quartiers ? Yvan ? Est-ce qu'on les associe à la vie de bah, ouais, je pense que oui. Aujourd'hui, et d'ailleurs, on verra sur le point numéro 25, sur Urbaniston Sport, où tu te retrouves à avoir des sections qui participent à la vie de tous nos quartiers. Là, pour le tournoi de baseball, j'en sais strictement rien. Je ne sais pas si ils ont pris contact avec le club de baseball, mais en tout cas, ce sera avec plaisir, c'est sûr, j'en suis persuadé. Et pour te donner... il y a une aventure qui est en train de se créer là, c'est pour relancer un peu la chose. Il faut savoir que le club de baseball va être en lien avec AGIA, avec le sport loisir, avec, j'en oublie, Charo, enfin ensemble, et Colucci, pour essayer de relancer un truc qu'ils avaient déjà fait une année, qui était la Rookie Softball Academy, et là cette année ils vont le faire avec le baseball et avec des garçons, essayer de ramener plein de jeunes de différents quartiers à pratiquer du baseball sur une année et tout ça en essayant de produire un truc un peu de qualité, c'est-à-dire d'essayer de faire des meilleures personnes au bout du compte. Donc ça c'est un exemple, mais après toute l'action sportive qu'il y a sur cette ville, bien sûr qu'elle est engagée, mais ça fait partie de l'ADN de ces associations que de participer à la vie de la ville, quoi. Merci Pascal, merci Yvan, merci Rafik. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Pascal, toujours, UTL. Donc, c'est l'approbation là, du versement d'une subvention exceptionnelle à l'Université du Temps Libre. Donc, je ne sais pas si l'Université du Temps Libre est assez connue aujourd'hui à Évry-Courcouronnes. Elle rassemble principalement, effectivement, aussi des retraités, mais pas que des retraités. Et donc, elle organise diverses conférences dans divers domaines, les arts, la culture, le développement, l'innovation, la médecine, la santé. Et donc, c'est aussi un acteur important pour nous de notre démarche de ville apprenante, parce qu'on échange et on travaille beaucoup avec l'Université du Temps Libre. Et là, elle a souhaité faire un échange avec une autre université du Temps Libre qui se trouve à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand étant une des 7 villes du réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. Donc, on a organisé un échange entre les deux villes et entre les deux structures à partir d'un de leurs projets qui s'appelle l'Essonne qui bouge. Donc, ça a regroupé à peu près 56 adhérents de l'association. Et sur place, ça a mobilisé aussi l'équipe qui travaille sur ce sujet de la mairie de Clermont-Ferrand avec l'organisation de visites, d'explications de projets soutenus par la ville de Clermont-Ferrand et soutenus par la ville. Et ça fera l'objet aussi, dans la suite, d'un échange avec les 4e et les 3e du Collège Galilée qui, eux, prévoient prochainement un voyage éducatif à Clermont-Ferrand sur le thème des volcans.
Donc là, il est proposé, il nous sollicite pour une subvention de 700 euros et c'est ce que nous vous proposons d'adopter. Merci Pascal. Des questions sur ce point ? On n'a pas. Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Carmel ? Bonsoir. Il s'agit également de versement de subventions exceptionnelles, mais au niveau de l'enseignement secondaire, au collège et au lycée. Donc le point 23 et le point 24, je vais les présenter ensemble. Le point 23, il s'agit donc d'une enveloppe budgétaire pour subventionner des projets dans la démarche de ville apprenante, c'est la différence par rapport à la 24, et notamment sur l'axe d'éducation à la citoyenneté. Donc le collège Paul Éluard a organisé un voyage scolaire en Allemagne dans le cadre d'un parcours culturel et citoyen. 48 élèves sont concernés, de la 5e à la 3e, 5 accompagnateurs. Le budget initial, c'est de 16 493 euros et une participation est demandée à la commune à la hauteur de 700 euros, que je vous demande d'approuver. Le point 24, c'est aussi une subvention exceptionnelle, mais c'est le lycée du Parc des Loges pour deux voyages, l'un en Auvergne, autour des volcans, et l'autre en Bretagne, à Océanopolis, c'est un petit peu la thématique. Le premier voyage est à 11 592, le deuxième à 15 725, et il est demandé à la commune une subvention exceptionnelle de 250 euros par voyage. Donc je vous demande d'approuver ces deux subventions exceptionnelles, l'une de 700 euros au collège Paul Éluard et l'autre de deux fois 250 euros au lycée du Parc des Loges. Merci. Merci à toi Carmel. Est-ce qu'il y a des questions de point 1, point 23 ou point 24 ? Il n'y en a pas. Je soumets les délibérations au vote pour la numéro 23. Est-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. La 24, des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 25, Yvan. Voilà, on revient à l'activité que les clubs ont sur le territoire. Urbanise ton sport, un événement qui porté par le service des sports en association avec toutes les sections de la ville, toutes celles qui veulent y participer. En fait, le 13 mai dernier, au chantier du Coq, on a fait une grande manifestation où on a permis à... Il y a eu 2000 personnes à peu près qui sont passées sur la manifestation pour faire de la pratique sportive. Il y avait aussi bien du rugby, de l'escalade, du Viet Vo Dao, du tennis, ADD toujours, qui est toujours là, le cyclisme, le badminton et le cricket. Voilà, donc on vous propose de... Enfin, il faut savoir que la manifestation s'est super bien passée, on a passé un bon moment. Super écho avec un travail qui a été fait par le service des sports, et il y a eu... alors, il y avait 50% des personnes qui étaient du quartier qui sont venues à cette manifestation, et 50% de la ville et des alentours. Donc c'était pour nous une très grande réussite. Voilà, donc on vous propose de voter ça. C'est la hauteur des subventions qui ont été allouées aux différentes sections. On est à 11 800 euros. Voilà. Merci Yvan. C'est vraiment une manifestation à mettre en lumière. On a testé l'année dernière déjà. Sous le soleil, sous la pluie, ça avait déjà pas mal marché. Mais cette édition à Chantier du Coq était incroyable. Je ne sais pas si on a dépassé le milieu ou les milliers de participants, mais c'était considérable à l'échelle de la journée. Et vraiment l'implication de nos associations sportives, parce qu'elles étaient très nombreuses. Et pour le coup, d'ailleurs, d'Evry et de Courcouronnes, parce que le Coq était très présent aussi. Donc voilà, ça mélange aussi nos cultures sportives, et c'est juste très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Yvan, toujours 26. Alors là, la ruée vers l'autre, notre association de cirque sur la ville se retrouve à faire un festival chaque année. En l'occurrence, l'année dernière, on les avait subventionnés à une hauteur de 5 ou 6 000 euros, je ne m'en rappelle plus exactement. Là, c'est un peu différent parce qu'on essaye de pouvoir faire en sorte que plusieurs associations puissent aussi se lancer dans des projets un peu ambitieux. Donc on leur a dit qu'on essaierait de les aider, mais on ne pourrait pas les aider à la même hauteur chaque année.
Donc là, on vient les aider à hauteur de 1 500 euros. C'est, certes, c'est pas les 5 000 de l'année dernière, mais voilà, on va essayer de les aider plutôt une fois tous les deux ans, un peu ce qui se passe un peu sur des projets culture qui sont portés sur la ville. Donc voilà. Merci Yvan. Est-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Najwa a réalisé une vérification dans l'intervalle. Et bien, figurez-vous que Ran Younis et Ran Younes se disent tous les deux. Ça met tout le monde d'accord. Point 27, Yvan. Merci, Najwa. Alors là, c'est pour moi un point important. Il y a un an et demi, il y a un jeune homme qui est venu me voir, qui a appris à faire de la voile, qui a appris à faire de la voile dans notre club de voile de la ville. C'est l'ASC Rivoile. Et il faut savoir que c'est un jeune qui est franco-argentin et qui arrive avec il y a un an et demi avec un projet fou, c'est de traverser, faire la mini transat, traverser un peu l'Atlantique tout seul sur un bateau. Alors le personnage vaut le coup d'être connu parce qu'il est, j'ai envie de dire, fou. Et en même temps il est adorable, c'est un personnage qui doit faire 1m90 et on ne se rend pas compte, tout seul dans un bateau, bah, ça fait serrer, surtout les petits bateaux qu'il va prendre. Donc l'idée c'est de l'accompagner sur ce projet. L'accompagner sur ce projet, mais on a été un peu plus loin, le club et la section plus le club Omnisport qu'il porte, c'est-à-dire l'Amicale Sportive d'Evry, ont envie de faire un projet sur plusieurs années. Et faire en sorte que son petit parcours qu'il va faire, parce que pendant 2 ans, 3 ans, il va se retrouver à devoir aller chercher des points pour pouvoir faire cette mini-transat. S'il n'a pas assez de points, voilà, ça tombe à l'eau. Et donc, il y a plusieurs personnes qui se mettent autour de la table pour essayer de monter ce projet. Et ce jeune a dit, mais comment moi je peux rendre à la ville ? Comment je peux faire ? Et donc là, l'idée, c'est que tout le parcours qu'il va faire, le bateau qu'il est en train de réhabiliter, de tout ça, en fait, il va le partager avec une ou deux classes de la ville. Donc bah, voilà, pour nous, c'est une aventure qui est plutôt sympa. Et donc, si on peut l'accompagner, voilà, ce serait sympa. Merci Yvan, tu nous as transmis ça avec passion et émotion. Y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Bravo à ce jeune, bravo à toi, des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Tania pour 28. Merci, j'ai sauté le hand, monsieur non, le maire. Alors, non, le 28 c'est Tania. Ouais. C'est ça. Alors c'est une demande de subvention de exceptionnelle à la Sévry, section softball. Ah non, mais je me suis trompé alors, c'est moi qui me suis trompé. Tu d'accord. Fais la 29 et donc Yvan 28. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok, bah alors là, excuse-moi. C'est. D'accord. Le 5 et 6 mai, il s'est passé un tour. Enfin, un tournoi international a été monté par le club de le SCA 2000 Handball. Notamment, on a reçu l'équipe du Maroc féminine. Et en fait, donc, bah, ils ont fait un tournoi. C'était une première. Enfin, c'est pas la première fois qu'ils le font, mais là, ils se retrouvaient à devoir porter la chose un peu différemment et avec un peu plus de protocole que d'habitude. Et donc, on rentre. Ils commencent à rentrer dans le dur avec des compétitions dont ils font monter en qualité, en termes de protocole et de réception des équipes en face. Ça a été un super moment. Voilà, tout le monde a pris beaucoup de plaisir et toutes les équipes qui étaient présentes ont vraiment adoré ce temps. Donc bah, voilà, il est proposé de les aider pour ce projet à hauteur de 1 500 euros. Voilà. Banco, y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions ? Tania, toi ? Oui, puis je reprends. En fait, c'était une subvention exceptionnelle pour l'AS Évry section softball, les Pharaons, dans le cadre du Challenge de France. Alors, c'était déjà une demande qui avait été proposée lors de la commission préparatoire au conseil municipal en date du 12 juin 2023. Et c'est pour une demande d'un accord de 3 000 euros. Dans le cadre du Challenge de France
par la section de softball AS Évry Les Pharaons. Voilà. Merci Tania. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il n'y en a pas, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Yvan, à nouveau. Juste pour le point 25, comme il y a une subvention qui touche aussi les pharaons, ce serait bien de... Tu ne seras exclu... Sur ce point, et le point 25. Exclu du loft. Yes. Alors là, c'est un peu particulier, c'est moins funky, hein, mais c'est important. L'approbation d'un nouveau règlement des équipements sportifs. On l'a réactualisé cette année. Enfin, il y a un travail qui a été effectué de dingue par Éric Métayer, qui est arrivé il y a 6 mois, directeur des sports. Et il s'est retrouvé à se pencher sur ce règlement. C'est assez important. Je le dis là parce qu'aujourd'hui, on a une situation un peu délicate sur la ville. C'est qu'on se retrouve à avoir une utilisation folle de nos équipements sportifs. Et même ceux qui sont très récents se retrouvent à avoir une usure un peu prématurée. Ce règlement, il est important pour nous parce que ça va nous permettre de remettre toutes les associations sportives autour de la table, mais il n'y a pas qu'elles qui sont utilisatrices, hein, il y a aussi les écoles, il y a différents partenaires. Et ça va être important que tout le monde se prenne conscience que ces outils sont fondamentaux pour la vie de notre ville. Et donc d'y faire attention. Donc voilà, on vous a demandé d'approuver ce nouveau règlement. Merci Yvan. Y a-t-il des questions sur ce point ? Oui. Samir ? Oui, on souhaiterait savoir pourquoi il y a eu ce changement au niveau du règlement intérieur. Et quand vous parlez justement de l'usure des équipements, qu'en est-il ? Et les équipements sportifs tels que les terrains de foot seront-ils toujours accessibles au public qui ne sont pas dans les associations, oui ou non ? Alors, l'état des équipements, vraiment, je leur dis, c'est délicat. On essaie de faire un travail, il y a un travail qui est amorcé encore par le directeur des sports et que moi, j'essaie de pousser depuis un certain temps. Et on a des discussions sur une régie en interne des sports pour essayer de pouvoir soigner au mieux nos outils. Je pense que ça va aboutir. On avance énormément sur le sujet, mais bon, voilà, c'est toujours, c'est trop lent pour moi, mais c'est comme ça, c'est pas grave, c'est le travail qui est comme ça. Pour le relier au terrain de foot, qui sont dans le même état que nos gymnases, il faut savoir que les tapis de certains terrains, notamment si on parle de celui de Jean-Louis Moulin, au vu de on parle de presque 1500 licenciés à l'Évry Football Club. On imagine l'usure d'un terrain comme ça, puisqu'il est utilisé tous les soirs, tous les jours, en fait, non-stop, tous les week-ends. Voilà. Donc, c'est très, très. Nos outils sont fatigués. Maintenant, on est en train d'essayer de passer un autre cap, c'est-à-dire que sur l'entretien de ces outils, on va être très, très vigilant. Jusqu'à maintenant, il y avait un entretien que nous, on pense qui n'a pas été assez bon jusqu'à maintenant. Et on va être beaucoup plus vigilant et essayer de faire un travail de précision là-dessus. Il va y avoir des outils qui vont être retapés bientôt. Je n'ai pas les dates exactes, mais de toute façon, vous allez être au courant très régulièrement parce que dans les prochains mois et l'année 2024 surtout, on va se retrouver à avoir de nouveaux outils, en tout cas rénover, réhabiliter. Et on espère fortement que ça puisse permettre un petit peu de relâchement dans les créneaux qui sont utilisés dans nos gymnases et compagnie. Je donne juste ça complète un peu ce qu'a dit Pierre Pro tout à l'heure sur le gain d'énergie qui sont faits. Il faut savoir que fin d'année 2023, on aura une grande partie du parc sportif qui sera au moins le relamping aura été effectué en grande partie. Ça aussi, ça participe de la transition écologique et du travail qu'on mène là-dessus. Ça permet aussi à ce qu'on soit sur des outils qui puissent être un peu plus performants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se retrouver à jouer dans une salle qui est bien éclairée, c'est souhaitable et on le sait bien qu'il y a bien des gymnases dans notre ville où ils sont dans un état, même le relamping, enfin les lampes étaient dans un état un peu lamentable. Donc il y a tout un travail qui est effectué, un travail qui est dur et fort qu'on mène
Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est à peu près ça. Moi, je... Oui. Vas-y, ça vient. Non, je disais justement sur l'accessibilité des terrains de foot, comme on peut le voir sur la ville, qui sont très, très occupés par nos concitoyens. Je voulais savoir si cet accès sera toujours libre, ce que nous souhaitons, bien sûr, parce qu'il y a une forte population qui s'en sert. Et au niveau de l'usure, justement, je voulais savoir s'il y allait avoir des restrictions au niveau de ce règlement intérieur. Non, il n'y a aucune restriction sur les terrains qui sont prévus pour le grand public. Il y a des terrains qui ne sont pas accessibles au grand public, même si on sait qu'il y a pas mal de monde qui y vont. Enfin bon, c'est comme ça, c'est un fonctionnement un peu délicat, mais ça arrive. Il y a tous les terrains de proximité. Il faut savoir que l'année prochaine, il y en a 3 qui vont être retapés, enfin qui seront en cours de rénovation. Donc ça aussi, ça va participer à permettre à ce que le grand public puisse utiliser des outils et des outils de qualité. Parce que c'est de la réhabilitation, mais plus avec en fond le schéma directeur des équipements sportifs qui poussait un peu la question autour de nos équipements sportifs. Juste par extension sur ce que dit... Sur ce que dit Yvan, bon, d'abord, pour répondre à la question de Samir Benamara de façon extrêmement précise, il ne s'agit pas dans ce règlement intérieur d'interdire des accès. D'ailleurs, les réflexions que nous portons avec Yvan à la ville, à l'agglomération, vont plutôt dans un sens diamétralement opposé à cette idée. Aujourd'hui, la pratique sportive dans une ville comme la nôtre, c'est à peu près 50% de sportifs licenciés, 50% de sportifs isolés. C'est une tendance lourde, qui n'était pas du tout la tendance il y a 5, 10, 15, 20 ans, et qui doit collectivement tous les élus de France, c'est aussi pour ça d'ailleurs tout l'intérêt de réunions comme la MIF, commission sport à laquelle participe Yvan, Daniel à la commission santé, etc., d'échanger les bonnes pratiques avec les autres villes qui sont confrontées à cette même évolution. Et donc, non seulement il ne s'agit pas de venir interdire, mais en plus, on pousse des réflexions sur comment on va utiliser mieux et plus longtemps ces équipements. Ce qui nécessite d'ailleurs encore plus la volonté d'Yvan d'avoir une régie interne au service des sports pour décharger les services techniques sur l'entretien courant des gymnases, puisqu'on travaille aujourd'hui sur deux éléments, au-delà de la stratégie qu'a développée Yvan sur la réhabilitation des équipements ou la construction de nouvelles surfaces sportives à l'extérieur, où là aussi on va évoluer, puisqu'on a des pratiquants sportifs qui sont... qualifions-les d'isolés, peut-être qu'ils ont aussi le droit d'avoir une couverture, y compris sur des plateaux d'évolution qui, dans le temps, n'en avaient pas. Donc on est plutôt sur ce genre de réflexion. On est également sur une réflexion, parce qu'on est en saturation de créneaux horaires, ce qui est un sujet, de savoir si nos clubs sportifs sont capables de mener des entraînements plus tard qu'ils ne le font aujourd'hui, et donc d'élargir encore davantage les horaires. On a également une réflexion qui consisterait à se dire, puisque je fais mon sport le matin tout seul et que je le fais à 6 heures du matin, est-ce que j'aurais pas le droit d'avoir moi aussi accès à un gymnase? Ce qui jusqu'à maintenant a toujours été interdit et proscrit dans toutes les villes de France. Puisque le principe même d'un gymnase, c'est qu'une fois qu'on a construit la boîte, on le donne à travers des créneaux horaires à des clubs sportifs, lesquels, ayant des assurances, permettent la pratique sportive. Donc on voit bien tout ce que cela chamboule dans la pratique. Mais nous, on est plutôt aujourd'hui dans cette orientation. Et enfin, pour finir, pour être complet... Tu me diras si je déborde trop, mais on est en train de travailler. On le fait déjà avec Colette Besson, avec d'ailleurs des résultats qui sont assez mitigés pour l'instant, parce que se pose ensuite la question de la sécurisation, de la vidéosurveillance, des squats, etc. Mais on travaille également à l'autonomisation des gymnases, c'est-à-dire plus la nécessité d'avoir des gardiens tout le temps par rapport aux plages d'horaire que par nature, on est en train de réfléchir à élargir. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre du personnel municipal à 5h du matin dans un gymnase et on ne va pas le mettre à minuit dans un gymnase. Et donc ça nécessite aussi une modernisation des accès, un travail à affiner avec les associations sportives. Donc voilà, pour répondre à ta question, Samir, on est plutôt diamétralement dans le sens inverse et plutôt permettre à tous les sportifs de pouvoir pratiquer du sport sur la ville. S'il n'y a pas d'autres questions sur ce point, en remerciant l'engagement d'Yvan et d'Éric Métayer, notre nouveau directeur des sports, je vous propose de soumettre... Ah pardon. Juste en fait, parce qu'en fait, à la lecture en fait de cette délibération, moi je me suis permis d'aller voir les associations directement pour leur parler de ce règlement intérieur. Donc là, je me fais juste le porte-voix. En fait, vous avez grandement
répondu à la question que j'allais vous poser, donc c'est clair, mais j'avais promis que j'allais poser cette question. Et en fait, la crainte qu'ils avaient, c'était que ce règlement intérieur ne devienne pas un outil, justement, d'élimination ou de sucrage des créneaux qui pouvaient exister. Ah, et au contraire, si c'est ouvert, etc., vous avez répondu à la question. Donc, comme j'avais promis de poser cette question... Non, nous sommes une ville de sport et on continuera à être une ville de sport. Ouais, et puis le principe, c'était surtout pour éviter l'usure prématurée de nos outils. Ça ne veut pas dire moins l'utiliser, mais c'est trouver et d'être mieux tous, l'utiliser. C'est mieux les utiliser et d'être tous d'accord sur le fait qu'on doit tous participer à ça. Et pas, je pourrais prendre plein d'exemples de personnes qui. Bah, l'utilisation des douches, l'utilisation de l'eau, etc., etc. Voilà. Hier soir, fête de la musique, maison de quartier du village, toilette inaccessible parce que quelqu'un a allumé les robinets d'eau, s'est barré et a laissé couler. Voilà, bah ça relève d'un règlement intérieur. C'est très basique, mais voilà, tout le monde doit faire des efforts. Bien, merci Yvan. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Freddy? Bonsoir, merci Monsieur le maire. Alors, il s'agit d'approuver le règlement intérieur des maisons de quartier et centres sociaux. La commune d'Évry-Courcouronnes donc comprend depuis le 1er janvier 2019, date de sa création, 10 équipements de quartier, 9 qui ont l'agrément centre social maison de quartier et un qui a l'agrément espace de vie sociale. Bien sûr, avec pour vocation, comme le définit les critères de la CAF, puisque la CAF est le principal financeur, donc un équipement à vocation sociale, un équipement de familial et plurigénérationnel, un lieu d'animation et un lieu d'intervention sociale concertée et novatrice. Alors, il s'agit de formaliser ces éléments dans un règlement intérieur, donc sur le fonctionnement en général des équipements, afin de poser un socle de fonctionnement. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur actualisé, commun aux équipements de quartier du territoire. Voilà. Merci Freddy. Y a-t-il des questions sur ce point ? Rafik ? Si je comprends bien, ce règlement intérieur-là, il est imposé par la CAF ? Non, il est imposé, puisque le but, c'est que le fonctionnement des structures, des équipements de la ville et une base commune, c'est-à-dire avant il y avait effectivement la partie ex-Courcouronnes et aujourd'hui on est sur Évry-Courcouronnes, et c'était de normaliser le règlement antérieur des deux ex-villes sur un seul socle. Après, ce que demande la CAF, effectivement, c'est ce qui les activités mises en place par les équipements de ces équipements, et c'est avec, il faut tenir, on a un cahier des charges avec vraiment le côté social, le côté animation, le côté familial intergénérationnel. Oui, et puis il s'agit aussi d'harmoniser le règlement intérieur de l'ensemble de nos centres, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Merci Freddy. Point 32, Michel. Je t'ai surpris là. Non, mais ça. C'est arrivé trop vite, non ? Non, mais je m'attendais à ce que tu me fasses ce coup-là. Non, alors simplement... Non, c'est toi qui as porté tout ce dossier depuis trois ans, donc... Oui, mais puisqu'on est à la fin... I was very surprised. Voilà. Donc, c'est le RLP, donc Règlement Local de Publicité. On a passé quand même pas mal d'étapes depuis presque deux ans. On en est à l'étape finale, c'est-à-dire que l'étape qui a précédé, c'était tout simplement, après le règlement donc, qui a été validé, arrêté au 22 mai 2022... il a été soumis à une enquête publique du 9 janvier au 14 février. Et après cette consultation des personnes publiques associées durant trois mois, le commissaire enquêteur donc, nous a fait un rapport. Et dans ce rapport, qui a été, il y a eu des retours de ce rapport par Deco et deux autres associations de publicité. Un certain nombre de choses ont été demandées à la ville. Et la ville donc a effectué un mémoire. Sur ce mémoire, la ville a accepté d'apporter une modification sur l'affichage mural dans les zones d'activité, autorisation sous réserve de limitation d'un seul panneau. C'est important pour nous, par mur et par bâtiment. Pourquoi ? Parce que l'objectif que nous poursuivons toujours est d'aller vers la simplification. Et la lisibilité passe aussi par la simplification. Et insérer des emprises des gares qui n'y étaient pas dans la ZPR5, qui est donc celle qui a rapport avec les grands axes. Il faut savoir que nous avons cinq axes
les espaces paysagers, le centre-ville, le quartier à dominance résidentielle, les centres commerciaux, les zones d'activité, et la 5, c'est donc celle que je viens de vous dire. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous ces deux réserves proposées par la ville. Le projet de RLP est donc proposé à l'approbation du conseil municipal. Il restera une dernière chose à faire, c'est tout simplement de publier sur un journal local, ce nouveau RLP, ou du moins l'acceptation de ce nouveau RLP. Juste une petite chose qui n'est pas inintéressante, quand vous voulez accéder au RLP, eh bien, vous pouvez l'avoir sur le site de la ville d'Évry-Courcouronnes. Vous pourrez l'avoir dès qu'il sera mis en œuvre. Et il faut aller sur donc, le site de la ville, toutes vos démarches, réglementation commerciale, et vous tombez sur le règlement local de publicité. Vous tomberez sur le règlement local de publicité. Merci Michel pour l'aboutissement de ce long travail. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point dont on a déjà beaucoup, beaucoup parlé en conseil municipal? Des votes contre ou des abstentions? Je vous remercie. Pascal, sur la TLPE. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit de l'actualisation des tarifs pour l'année 2024 concernant la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc pour rappel, la taxe locale sur la publicité extérieure est une imposition indirecte qui peut être instituée par le conseil municipal et qui s'applique à tout support publicitaire fixe, extérieur, visible d'une voie publique, et qui est classé en trois catégories. Donc dispositif publicitaire sur tout support susceptible de contenir une publicité, les enseignes, donc pour toute inscription, forme ou image à poser sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce, et les pré-enseignes, qui sont toutes les inscriptions, formes ou images indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. Il appartient aux collectivités locales de fixer par délibération annuelle les tarifs applicables avant le 1er juillet d'une année pour application au 1er janvier de l'année suivante. Les tarifs maximaux applicables par mètre carré par an sont révisés chaque année. Le taux de variation applicable à la TLPE 2024 s'élève à plus 6% selon les indices INSEE. Et il est ainsi proposé au conseil municipal d'adapter les mesures suivantes. Alors, en ce qui concerne le champ d'application de la taxe, compte tenu du contexte économique et de la situation difficile que connaissent les petits commerçants du territoire, il est proposé de maintenir en 2024 l'exonération de la TLPE pour les enseignes inférieures ou égales à 12 mètres carrés en superficie cumulée, sachant que celles de moins de 7 mètres carrés sont exonérées de droit. Il est proposé de maintenir également l'exonération de droits de voirie au titre de l'occupation de leurs enseignes par surplomb du domaine public. En ce qui concerne les tarifs, compte tenu de la décision d'exonération des enseignes inférieures ou égales à 12 mètres carrés en surface cumulée, il est proposé d'appliquer pour les autres dispositifs, donc supérieurs à 12 mètres carrés, la taxation sur la base des tarifs maximaux prévus pour l'année 2024. Donc je vous fais rapidement le petit topo, excusez-moi du déroulé. Donc concernant les publicités pré-enseignes sans affichage numérique, pour les superficies inférieures à 50 mètres carrés, on est à 23,30 euros, supérieures à 50 mètres carrés, 46,60 euros. Publicité et pré-enseigne avec affichage numérique inférieure à 50 mètres carrés, 69,90 euros, supérieure à 50 mètres carrés, 139,80 euros, donc inférieure à 12 mètres, exonération. Et pour les enseignes, entre 12 et 50 mètres carrés, 46,60 euros, et supérieure à 50 mètres carrés, 93,20 euros. Il est donc proposé au conseil municipal, d'une part, d'exonérer de TLPE les enseignes inférieures ou égales à 12 mètres carrés en superficie cumulée. D'autre part, d'exonérer les enseignes inférieures ou égales à 12 mètres carrés en superficie cumulée de droits de voirie au titre de l'occupation par surplomb du domaine public. Et enfin, d'appliquer les tarifs maximaux prévus par l'article L2333-9 du Code général des collectivités territoriales. Merci Pascal. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Michel, tu fais 34 et 35 en même temps ? Oui, vous commencez à en avoir l'habitude. Donc, ça commence par une désaffection et un déclassement. Oui, mais de quoi ? Eh bien, tout simplement d'une parcelle qui concerne M. et Mme Gallon, domiciliée au 49 Villa de Bois-Bailleul.
qui ont réalisé des aménagements sur une partie de la parcelle cadastrée 182 AV435. En clair, c'était une haie qui avait pris une énorme dimension, et donc ils ont diminué la dimension de la haie. Et c'est situé le long de l'aqueduc, et donc ils ont forcément installé une clôture. Il a été constaté qu'un espace vert composé d'une rangée de haies d'arbustes situées à l'arrière du terrain de M. et Mme Gallon, de cette fameuse superficie de 77 mètres carrés, est en réalité la propriété de la commune et est soumise à la servitude de l'aqueduc de la Vanne et du Loing. Il a noté que ces deux bandes de part et d'autre de l'emprise de l'aqueduc, d'une largeur de 13 mètres, constituent une zone de protection rapprochée sur laquelle sont interdites toutes constructions non liées à l'usage de l'aqueduc. La commune a confirmé son accord pour la cession de la parcelle 182 AV435P, composée d'un espace vert à M. et Mme Gallon. La parcelle a été désaffectée, désaffectée et la déclasser pour être incorporée dans le domaine privé de la commune afin de régulariser la situation et de permettre la cession. Les parties ont convenu d'un prix de vente, ça c'est important, de 6 160 € net et encore plus important, tous les frais afférents à cette cession, géométrie notaire, seront supportés par les acquéreurs. Donc on va commencer par désaffecter et déclasser, et puis on finira par la vente. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Samir ? Oui, on se posait un petit peu la question sur cette parcelle qui a été vendue à cette personne, et on se posait la question et on se demandait est-ce que ça ne ferait pas un petit peu appel d'air si les autres... les autres propriétaires décidaient demain d'entamer aussi également une parcelle, est-ce que vous leur vendriez ? Est-ce que vous allez les informer aussi qu'ils auraient cette possibilité de prendre un bout de parcelle ? Merci. Bon, déjà, on ne va pas les informer, on ne va pas faire une information spécifique. Et d'après ce que j'ai eu comme information, ça concernait vraiment que cette personne qui était demandeuse et qui tout simplement avait déjà pris cette parcelle depuis fort longtemps. Les autres le savaient, on n'a eu aucune demande sur les autres parcelles. Mais la parcelle, quand elle a mis en place son grillage, elle a fait la demande avant ? Ou est-ce que c'est vous qui avez constaté, par la mise en place d'un PV, qu'elle avait agrandi son terrain sans autorisation ? Alors moi, personnellement, je n'ai pas la réponse directe, mais à ma connaissance, oui, je pense qu'on l'a constaté. Oui, c'est un constat qu'on a fait, oui. Mais on le fait, héritage ville nouvelle, ça fait 30 ans qu'on fait ça. Hein. Je rappelle que l'allée Ronsard avait à l'origine deux trottoirs, qu'elle en a qu'un, parce que les habitants ont colonisé l'un des deux trottoirs il y a 30 ans. Ça fait typiquement partie des ajustements, pour le coup, d'héritage de la ville nouvelle. Du coup, ça quand même pose question. En fait, c'est une question de principe, c'est pas une question. On n'a rien contre Mme Gallon sur son jardin qui prend 77 mètres carrés, en fait, sur une longueur de 25 mètres. En fait, pour schématiser les choses, de ce qu'on a compris, c'est quoi ? C'était, en fait, il y a une haie, et c'est une rangée de pavillons, et juste pour Mme Gallon, qui a pris cette partie-là sans demander, et là, l'idée, c'est de régulariser. Parce que, tout simplement, moi, si je suis le voisin de Mme Gallon et que je vois ça, je ferai la même démarche et on régularise du coup. Donc, du coup, on se dit, est-ce que c'est pas là ouvrir quelque chose, c'est-à-dire une dérive quelque part sur ce sujet-là ? C'est un petit peu compliqué de faire deux poids deux mesures, de dire qu'on régularise quelqu'un qui l'a fait sans autorisation. Et du coup, si quelqu'un demande autorisation, on va lui refuser. La question, Rafik et Samir, c'est que on peut toujours imaginer, pour le coup, surtout à votre place, puisque vous n'y êtes pas confronté, que c'est bien d'avoir des règles très très précises desquelles on ne sort jamais. Puis après, il y a la vraie vie dans les quartiers. Et dans la vraie vie, il y a notamment un sujet auquel vous êtes très attaché, les arbres, les haies vertes, etc. etc. Les murs qui ont été construits il y a 10 ans, qui devraient faire au bocage, notamment ici 1m10, ils font 1m80, ou ici ils font 2m. Et en effet, quand on peut revenir en arrière, on revient en arrière. L'avantage que l'on a au bocage, pour ceux qui connaissent bien, c'est que ce quartier s'appelle les bocages parce qu'il est entouré d'une haie bocagère. Qui d'ailleurs, comme à peu près la plupart des espaces verts de l'agglomération, ex-ville nouvelle, n'ont jamais été entretenus. Je dis ça parce que quand on reparlera des arbres à la rentrée, ce sera quand même un sujet qu'il faut aussi assumer. C'est-à-dire des secteurs où on a fait des plantations à pousse rapide, qui était prévu pour être éclairci 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, qui ne l'ont jamais été. Et donc il y a des endroits où il y a une haie naturelle, c'est le cas à 99% dans le cas des bocages, et il y a des gens qui, en arrivant dans un quartier dont je le rappelle, c'était le cahier des charges du quartier, ne devait pas avoir de clôture.
ne devait pas avoir de portail à l'origine. Or, il y en a aujourd'hui autour de toutes les maisons. Hein. C'était vraiment un quartier à l'américaine sans clôture. On trouve ça aussi à Mency. Donc, en fait, on est au cas par cas avec discernement. Voilà, donc on a des règles de base. Et puis après, dans ce quartier, comme dans d'autres, on discute, c'est l'application de la vraie vie, sur des gens qui ou achètent des maisons, ou rachètent, ou revendent. On a le cas notamment sur ceux qui ont construit des piscines, en oubliant que ça nécessite des permis de construire, qui se retrouvent chez des notaires qui refusent de signer. C'est des sujets qu'on traite au cas par cas, tous les jours, malheureusement. Simplement, hein, si on a une demande régulière de quelqu'un qui voudrait aussi agrandir, somme titre, est-ce que vous refuserez ? Ou est-ce que si, dans l'autre cas de figure, quelqu'un qui ne demanderait pas et qui ferait la même démarche, on agirait ou est-ce qu'on accepterait de la même façon ? Ce sera à regarder au cas par cas. La demande ne vient pas aujourd'hui, parce que j'insiste sur ces quartiers-là qui ont été structurés autour de haies, qui finissaient les terrains à l'origine, puisqu'il n'y avait pas de haies normalement. La question ne se pose pas. Il n'y a quasiment aucun voisin aujourd'hui. Henri, qui habite le quartier, le connaît bien. Moi, je l'y ai habité pendant quelques années. Il n'y a aucun habitant qui a envie de flinguer sa haie pour aller gagner 7 ou 8 mètres derrière, haie qu'il a mis 15 ans à faire pousser. Donc, en vrai, on n'est pas soumis à ce genre de demande. Après, on les a de façon occasionnelle sur des régularisations anciennes, parfois. Parfois, on arrive suffisamment tôt. Hein. Ça existe. C'est arrivé l'année dernière. Un nouveau propriétaire qui arrive, qui casse sa clôture et qui la décale de 2 mètres. Là, on tombe dessus tout de suite. Il n'y a pas de question de végétation. Mais on a eu le phénomène inverse aussi sur la rue du Chemin Vert, pour ceux qui s'en souviennent, à côté du terrain de rugby de Lys, où on a tenté de faire un alignement et on a un habitant sur deux qui ont accepté l'alignement. Donc voilà, donc c'est du cas par cas, c'est du discernement, et en zone pavillonnaire, c'est malheureusement classique. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a pas d'autres questions sur ce point ? Juste pour compléter, pour dire, en fait, le cas par cas peut laisser la porte ouverte à l'arbitraire, et c'est pour ça qu'on votera contre cette... Il n'y a aucun problème. J'espère que vous n'aurez jamais à gérer ce que nous avons à gérer au quotidien, parce que vous verrez que ce n'est pas de l'arbitraire. C'est juste la gestion de la vraie vie. Vous qui défendez justement les citoyens, je vous invite à vous renvoyer à traiter 3 ou 4 familles qui vivent des conditions et des choix différents dans un même quartier. Vous verrez que ce n'est pas aussi simple que cela. Bien. C'est exactement ça. Il y a des sujets sur lesquels il faut mettre des règles strictes et c'est des sujets sur lesquels il ne faut pas en mettre. Y a-t-il des votes contre ? Donc il y en a. Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Bien, le point 36. Oui, donc il s'agit de l'actualisation de la convention de mise à disposition des terrains aménagés à usage de jardins familiaux avec l'association Les Jardins au Secret. Donc depuis 2009, l'association Les Jardins au Secret assure la gestion et l'animation des jardins familiaux qui sont situés au bois de l'Entre-deux sur Courcouronnes Centre, voilà, et donc dans la continuité de la convention qui avait été établie en 2009, on réactualise cette convention avec Évry Courcouronnes, et cette convention sera conclue pour une durée d'un an à compter de sa date de signature et renouvelable annuellement sans que sa durée totale puisse excéder 5 ans, et la mise à disposition du terrain est consentie à titre gratuit. Merci Pascal, est-ce des questions sur ce point ? On n'en a pas. C'est une très belle initiative, effectivement, c'est un très beau jardin, c'est vraiment très sympa ce jardin. Est-ce qu'il y a un projet justement de faire l'équivalent du côté ex-Évry ? Et puis y a-t-il des gens d'Évry qui sont dans ce jardin justement du côté de Courcouronnes ? Vous aviez déjà posé la question l'année dernière, vous ou quelqu'un d'autre, mais la question a déjà été posée. Pour l'instant, nous ne prévoyons pas d'autres créations de jardins de ce type, donc vous avez vu... la surface, les investissements colossaux qui avaient été portés par Courcouronnes à l'époque. Et oui, dès la fusion, y compris d'ailleurs avant, l'association a été ouverte aux habitants d'Évry. Il y en a. Il y a des habitants d'à peu près tous les quartiers pour les 110 parcelles. Voilà. Donc la question avait été posée. C'est évidemment à nouveau la même réponse. Et en effet, nous sommes très, très fiers d'avoir fait ces jardins familiaux avec l'entretien, la régularité, dont je rappelle que c'est porté par une association. Et je salue son président Alain Ball, qui préside d'ailleurs depuis sa création, qui est un terrain par ailleurs que j'ai racheté à l'époque à France Télécom après un procès retentissant cassant 3 permis de construire, puisqu'il avait été prévu par l'ancienne majorité, qui est proche de votre sensibilité, de construire 3 immeubles sur ce terrain. Nous avons préféré en faire des espaces verts. Donc en effet, je partage avec vous, c'est un très très beau projet. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point 37, Sandrine Chaumont.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il s'agit de l'avenant numéro 2 qui concerne l'approbation de l'avenant numéro 2, par contre, qui concerne le transfert de maîtrise d'ouvrage avec le bailleur Les Résidences Yvelines-Essonnes pour la réhabilitation de la pyramide 14. J'en ai déjà beaucoup parlé sur plusieurs conseils municipaux. Les Résidences Yvelines-Essonnes et la commune se sont engagées dans une opération de réhabilitation de la P14, une partie minoritaire en rez-de-chaussée appartenant à la commune, avec une partie appartenant au bailleur qui comporte 256 logements. Les opérations prévues par le bailleur et par la commune étant imbriquées, il a été nécessaire de prévoir une maîtrise d'ouvrage unique afin que le bailleur soit autorisé à réaliser l'ensemble des travaux de réhabilitation. Un premier avenant avait été approuvé le 9 février dernier. Il convient d'en conclure un deuxième afin de pouvoir réaliser des travaux complémentaires. En effet, la poursuite des travaux de la P14 ont révélé de nouveaux besoins qui n'avaient pas été identifiés auparavant, à savoir l'aménagement intérieur du local de l'association Réseau d'échange réciproque du savoir, l'aménagement intérieur du local de la Maison de l'emploi et de la formation, l'aménagement intérieur du local des associations émergentes, avec des coûts supplémentaires également pour les désamiantages et des honoraires de contrôle de sécurité et de prévention de la santé et de contrôle technique pour les locaux déjà cités. Ces travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le bailleur avec une enveloppe de 100 000 euros. Il est donc demandé d'approuver les termes de ce deuxième avenant. Merci Sandrine. Rafik. Encore une fois, là, je vais me faire l'écho d'un petit peu des habitants de cette pyramide 14. Et en fait, ils ont découvert un petit peu, pour quelques-uns d'entre eux, avec grande surprise, la présence d'amiante dans ces locaux. Et donc, ils sont très inquiets par rapport à ce sujet-là. Alors, j'ai vaguement entendu parler de ça. Alors, il s'agit d'habitants qui, et c'est bien dommage, n'avaient pas assisté aux réunions publiques qui ont été faites parce que ce sujet avait été évoqué. Pour les rassurer, je veux vraiment vous dire que le désamiantage est très normé aujourd'hui. Les résidences Yvelines-Essonnes font appel à la société Legendre qui, pour vous dire les choses en toute transparence, ne va pas mettre en danger ses salariés. Donc, ne vous inquiétez pas et que les habitants ne s'inquiètent pas, c'est très normé. Et les résidences Civiline, d'ailleurs, on communiquait il y a une petite semaine sur le sujet, mais aucune inquiétude pour les habitants. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point ? Pas de vote contre ? De vote contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 38, il s'agit d'une approbation d'une convention de superposition tripartite avec GPS et Île-de-France Mobilité qui est relative au T12. C'est une convention habituelle lorsque l'on livre un projet de transport, ça n'engage évidemment rien à la commune, sinon qu'elle est propriétaire de certaines parcelles où passe le tram, qui seront gérées dans le cadre de cette convention, soit par l'agglomération, soit par Île-de-France Mobilité, en fonction de leurs compétences. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Peut-être juste une précision, en fait, on découvre qu'il y aura une sous-station qui va être construite juste au niveau du marché. Cette sous-station, en fait, qui va, je crois, c'est des 1500 watts, quelque chose de ce goût-là qui va être construit juste à côté du marché. Est-ce que de ce côté-là, il n'y a pas l'étude des risques autour des habitants sur ce sujet-là ? Non, on construit des sous-stations sur à peu près tous les réseaux de transport d'Île-de-France. C'est des questions qui sont parfaitement maîtrisées. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Point 39, Virginie. Oui, il s'agit en fait de nommer une voie. C'est l'Association française contre l'hémiopathie qui a proposé la dénomination d'une voie privée, donc qui leur appartient, et qui va desservir ces nouveaux locaux dans le quartier Évry-Sud. Alors, il s'agit d'une voie privée qui ne sera pas ouverte à la circulation. Et il propose en fait le nom de Rosaline Franklin, qui fut co-découvreuse de la structure liée au coïdaï de l'ADN. Donc, il est demandé au conseil municipal de dénommer cette voie privée rue Rosaline Franklin. Et j'en profite aussi pour m'excuser, j'ai fait un gros lapsus tout à l'heure, donc je m'excuse auprès de l'association Évry Femmes des Sports. Mais je ne referai pas le lapsus. Merci Virginie. Pas de questions sur ce point ? Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Stéphane, point 40. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Deux points qui concernent deux avenants au contrat de concession avec le crématorium. Un premier avenant, numéro 7, qui concerne ce qu'on appelle l'imprévision. Alors, on en a parlé déjà au début de ce conseil. On constate tous quotidiennement une forte augmentation des prix du gaz et de l'électricité notamment et des matières premières qui fait que le coût d'exploitation
du coup, pour notre concessionnaire, la société OGF du crématorium, le coût a fortement augmenté. Et donc, la société OGF nous a demandé d'anticiper, en fait, la révision des tarifs qui devait avoir lieu dans le cadre du contrat au 1er janvier 2024, et d'anticiper de manière à lisser, en fait, l'augmentation des tarifs du fait de l'augmentation du coût de l'énergie sur la durée, en fait, au lieu d'avoir l'augmentation des tarifs sur la période 1er janvier 2024 jusqu'à la fin du contrat qui est prévu en janvier 2026, de pouvoir lisser à partir donc du 1er juillet 2023 pour pouvoir lisser l'augmentation. Il y a donc juridiquement, il y a trois critères pour pouvoir modifier un contrat de concession dans ce cadre. C'est ce qu'on appelle l'imprévision. Donc effectivement, il faut que le contexte soit imprévisible. Il y a l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, mais il y a aussi effectivement l'aggravation du fait du conflit ukrainien. Et donc la circulaire ministérielle a prévu que effectivement on rentrait bien dans ce cadre d'imprévision, puisque contexte imprévisible et extérieur aux parties. Il y a un troisième critère pour modifier un contrat de délégation de service public, c'est qu'il faut qu'il y ait une modification, en fait, de l'économie générale du contrat importante, ce qui est le cas, et ça a été confirmé également par le Conseil d'État qui a rendu un avis en septembre 2022 pour préciser que du coup ça rentrait bien dans le cadre de l'imprévision. C'est toutes ces augmentations, l'augmentation des tarifs était possible quand il y avait effectivement une forte augmentation qui modifiait les coûts d'exploitation. Donc dans ce cadre, on est demandé donc de faire une révision tarifaire à partir du 1er juillet 2023 en augmentant les tarifs de 13,8% sur la période de juillet 2023 à juillet 2024 et de 6,9%. À partir de juillet 2024, donc jusqu'au terme du contrat en janvier 2026. Il est précisé que cet avenant n'entraîne aucune modification financière pour la commune. Cet avenant a fait l'objet est passé donc auprès de la commission communale pour tout ce qui est les services publics locaux, qui s'est tenu avant-hier, le 20 juin. Et qui a donc émis un avis favorable à la modification, à l'avenant numéro 7 pour la modification du contrat. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de cet avenant numéro 7 au contrat de concession du crématorium et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Pardon, c'est bien. Oui, alors sur ce dossier, nous on s'est un petit peu penché dessus. Et au vu, en regardant un petit peu et en analysant le chiffre d'affaires de cette entreprise, on pense qu'il n'est pas recevable pour nous de pouvoir voter ce point-là. Il faut voir d'ailleurs que dans le bilan de la CCSPL, que les recettes ont augmenté de 25% sur 2022 pour cette entreprise, pour s'établir à 750 000 euros contre 621 000 euros en 2021. Ils ont largement de quoi intégrer la hausse des prix de l'énergie dans leur marge, surtout l'augmentation du résultat, c'est-à-dire le bénéfice, qui est de 65% sur 2022. On passe de 211 000 euros à 350 000 euros de bénéfice. Comment est-il possible, dans ces conditions, d'oser augmenter les prix pour les usagers? Pour nous, c'est juste scandaleux que cette entreprise puisse faire cette demande de révision. Stéphane ? Puis juste compléter avant que vous répondiez. C'est possible que je complète, comme ça il répond directement. Non, mais allez-y. C'est une question. Parce qu'en fait, effectivement, donc, l'objet de l'augmentation, c'est effectivement l'augmentation du prix de l'énergie. Quand on regarde un petit peu l'énergie, de quoi on parle ? Donc on voit que le prix du gaz sur d'un exercice, il a complètement baissé. Donc on parle clairement de... On passe de 28 800 à 28 200, donc ils gagnent 500 euros. Et sur l'électricité, ils étaient à 9 000, ils passent à 12 000 euros, donc ils augmentent de 2 000 euros. Et venir nous réclamer des pourcentages d'augmentation dans le cadre de cette délibération, et vu les chiffres d'affaires et la hausse, et vu aussi le contexte, parce que la crémation va croissante, hein, donc leur chiffre d'affaires va aller croissant, et vu la taille aussi de ce grand groupe, hein, qui fait plus de 65 millions d'euros, et qui est 600 millions, pardon, et qui est présent un petit peu partout, donc je pense que venir leur rajouter un petit peu sur leur chiffre d'affaires et leurs résultats à distribuer,
c'est très dur. Stéphane ? Oui, alors il y a deux choses. En fait, il y a une augmentation quand même qui est indéniable du coût de l'électricité et du gaz. Hein, je crois de mémoire, alors, vous l'avez effectivement, je pense que vous avez effectivement épluché du coup le rapport de concession. Il y a quand même une augmentation de mémoire de 9%, je crois, de ce qui concerne le gaz, et de 20% du coût de l'électricité. Hein, bon, de toute façon, on a tous constaté ces augmentations. Donc après, il faut regarder aussi le prix par crémation. Parce qu'effectivement, il y a eu forcément une augmentation du chiffre d'affaires, puisque malheureusement, il y a eu plus de crémations. Il y a eu, je crois, 26%, si je me rappelle bien, d'augmentation des crémations depuis 2021. Donc effectivement, mathématiquement, leur chiffre d'affaires, je dirais malheureusement, augmente. Je me permets de rajouter quand même un élément. Il remonte de façon extrêmement exceptionnelle et temporaire. Puisqu'il ne remonte pas parce qu'on a une explosion de mortalité sur le territoire, mais pour cause de fermeture d'Arpajon et de Saint-Fargeau-Pontiry, pour des réhabilitations que ce centre lui-même a été obligé de faire il y a quelques années. Donc on est sur une année à chiffre d'affaires exceptionnel. Donc je vous invite, puisque vous avez fait un excellent travail de recherche sur ce dossier, à le pondérer sur les années N-1, N-2 et N-1, N-2, c'est-à-dire hors travaux de réhabilitation des autres crémations du secteur. Voilà, ça permettrait d'avoir des chiffres qui sont un peu plus stables. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, Stéphane, donc l'avenant 8. La suite. Alors, beaucoup plus simple. L'avenant numéro 8, il concerne juste un changement juridique de la société OGF, puisqu'elle c'était une société anonyme, et elle se transforme, pour des raisons de gouvernance, en société par action simplifiée. Donc, il n'y a aucun changement au niveau du contrat de concession, puisque voilà, il n'y a pas de changement dans la... C'est juste purement un changement juridique. Il n'y a pas de changement au niveau de l'économie du contrat. Le contrat de concession se poursuit dans les mêmes dispositions. Donc il est juste demandé. Bon, il y a eu le projet d'avenant a été également présenté à la commission des services publics locaux le 20 juin et qui a émis un avis favorable. Donc il est juste demandé de valider cet avenant qui acte du changement juridique de la société OGF. Je vous remercie. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions sur ce point? Juste une précision, ça ne change pas la durée de la concession? Non, ça ne change pas. Pas de vote, enfin des votes contre? Il n'y en a pas, des abstentions? Je vous remercie. Merci Stéphane. Daniel, point 42. Oui, ça a été évoqué par Stéphane à l'instant. La commission, on doit vous rendre compte au conseil municipal des travaux de la commission consultative des services publics locaux, qui s'occupe particulièrement justement de l'ADSP du crématorium, ça vient d'être évoqué, des DSP des marchés Forain, Sangor, Canal, Torini et des parkings mairie cathédrale, Sangor et préfecture. La commission des services de la CSPL s'est réunie le 20 juin 2023. On a examiné les rapports de tous ce que je viens des organismes que je viens de citer. Le crématorium, ça a été dit, hein, l'augmentation notable du nombre de crémations, mais due aux travaux qui ont été évoqués tout à l'heure. Les parkings, ça a été évoqué par Renan tout à l'heure, les difficultés sur le parking mairie cathédrale, avec quand même, on a noté un petit nombre d'abonnés dans ce parking, enfin une baisse du nombre d'abonnés. Et puis sur les marchés forains, celui du canal qui fonctionne très bien, celui de Torini qui marche aussi, moins de problèmes qu'on avait par le passé avec les placiers, tout se passe bien. Et voilà, donc la commission s'est réunie le 20, a émis un avis favorable sur les rapports de l'ensemble des dossiers dont je viens de parler. Et il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la transmission du rapport annuel de cette commission. Pas de questions sur ce point. Nous prenons acte. Je vous remercie. Point numéro 43, Renan. Merci. Alors, ce point vise à nous autoriser à faire une expérimentation sur ce qu'on appelle la semaine des 4 jours. Pas des 4 jeudis, mais des 4 jours. C'est dans le cadre des conditions de travail et de surtout après la révolution, si je puis dire, du Covid, où tous les salariés, les agents du service public se sont interrogés sur leur rapport au travail. Nous étions très en retard, justement, quand le Covid est arrivé, sur le télétravail. Nous avions péniblement une expérimentation en cours
sur 30 agents en télétravail. Mais on avait mis beaucoup de temps à lancer cette expérimentation. On était extrêmement frileux sur le télétravail avant le Covid. Et le Covid est arrivé, a percuté notre expérimentation. On est passé de 30 personnes à 400 personnes en télétravail subi dans le cadre du Covid. Et puis aujourd'hui, on est à peu près à 400 personnes, 400 agents en télétravail entre un jour et trois jours. D'ailleurs, notre frilosité d'origine est tombée quand quand l'État a autorisé les collectivités territoriales à passer à trois jours de télétravail. Nous avons immédiatement délibéré quasiment le lendemain de la loi pour justement ne pas perdre de retard, parce que le télétravail permet justement d'attirer des compétences et puis de garder les compétences qui sont déjà présentes pour éviter qu'elles partent ailleurs lorsqu'on en a besoin. Là, la semaine des quatre jours, c'est un peu dans cet esprit-là. L'idée, c'est de ne pas perdre de retard, de ne pas prendre de retard, au moins sur une expérimentation. Alors, pour en avoir discuté avec les représentants du personnel en début du mois de juin dans le cadre du comité social territorial, on n'a pas trouvé de personnes extrêmement emballées par cette idée de semaine des quatre jours. Néanmoins, ça existe, ça se pratique dans le privé et même dans le public. On a des employeurs qui proposent cette formule, c'est-à-dire de faire ces 35 heures ou 36h30, donc de faire un temps de travail complet, mais au lieu de le faire sur 5 jours, sur 4 jours et demi, ça existe déjà en mairie, de le faire sur 4 jours. Alors ça donne quand même des jours entre 9h et 9h30 de travail. C'est quand même assez considérable. Voilà. Et donc, moi, personnellement, ça me serait compliqué dans le cadre de mon travail de le mettre en place, mais en tout cas, on ne veut rien s'interdire. On veut conduire cette expérimentation pendant trois mois à compter du 1er septembre. Donc on a ouvert les candidatures dans l'ensemble des 200 métiers que nous avons, parce qu'évidemment, contrairement au télétravail, le télétravail ne peut pas s'appliquer sur un certain nombre de métiers, même si on cherche loin. Mais la semaine des quatre jours, on ne s'interdit rien. On veut expérimenter cette façon de travailler. Si ça trouve son public, et sans évidemment dégrader le service public, là pour le coup, mais si ça trouve son public, son intérêt, eh bien on continuera plus loin dans une expérimentation peut-être un peu plus importante et peut-être dans la mise en place généralisée. En tout cas, pour ceux qui le souhaiteraient, bien entendu, c'est comme le télétravail, il n'y a rien d'obligatoire. L'idée, c'est de nous autoriser à faire cette expérimentation pendant trois mois. Merci Ronan. Si des questions sur ce point, Samia. Oui, une question sur. Je voulais savoir quel a été l'avis de la CTP, des organisations syndicales sur cette question-là. Et après, je suppose, au vu des explications, que c'est basé sur le volontariat. Et quel genre de métiers se sont plutôt positionnés sur la volonté de faire ces quatre jours? Merci. L'avis, alors on dit plus CTP, hein, ça c'est l'ancienne dénomination. Depuis les élections, c'est le conseil, le comité social territorial qui a fusionné le CHSCT et le CTP. Je l'évoquais tout à l'heure, je disais qu'en discutant avec eux, on n'a pas senti qu'ils étaient super emballés dans l'idée même de travailler sur quatre jours, mais ils ont accepté l'idée de faire cette expérimentation, puis de voir au bout de l'expérimentation qu'est-ce que ça donne. On ne peut pas le savoir a priori. Ils nous ont indiqué qu'il faudrait dans ces cas-là, puisqu'il y a deux régimes, hein, il y a le régime à 36h30 ou le régime à 37h30 d'heures dans la semaine, de dire que ceux qui se lanceraient dans cette expérimentation seraient plutôt sur un régime à 36h30, parce qu'après ça ferait encore plus important, ça peut aller jusqu'à des journées de 10 heures, c'est trop important. Donc ils ne sont pas extrêmement emballés par l'idée, voilà. Mais ils sont favorables à l'expérimentation. Sur les métiers, pour l'instant, on a quand même très très peu de volontaires, c'est dans l'administratif. Mais c'est administratif, oui. Et on n'a pas beaucoup de volontaires, alors ça peut encore venir, hein. Voilà. C'est vraiment une expérimentation, ça ne veut pas dire qu'au bout on va adopter cette disposition. On peut dire non, finalement, ça ne nous intéresse pas, c'est trop compliqué. On a 200 métiers différents, hein, complètement différents en mairie. Donc, pour le coup, voilà, c'est de la dentelle, du cas par cas, quasiment. Donc, on va expérimenter. Au moins, on n'est pas en retard, là, je dirais. Voilà, c'est une évolution de la société, on la regarde. Voilà, on la regarde. Merci, Ronan. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. Point suivant, RIFSEP. Le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire. Vous savez que les agents, ils ont une partie fixe, on va dire, et une partie de régime indemnitaire fixée par la collectivité locale. Ce régime, il a deux parties, une partie fixe mensuelle et une partie variable annuelle. Et là, c'est techniquement l'intégration de certains cadres d'emploi. Par exemple, les auxiliaires de puériculture qui sont passés en catégorie B, ben, elles n'existaient pas parce que ça vient d'arriver. On les intègre dans le régime, ainsi que les conseillers sociaux éducatifs, les techniciens territoriaux et les psychologues. Par exemple, les psychologues n'étaient pas prévus, mais on en a donc pour pouvoir leur verser le régime indemnitaire. Merci Ronan, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-il des votes contre ? Abstention. Je vous remercie. Harmonisation des autorisations spéciales d'absence. Sujet. Alors, c'est un sujet fusion, si je puis dire, un des derniers sujets d'harmonisation donc des dispositifs de ressources humaines entre Évry et Courcouronnes. On a eu énormément de sujets à traiter, notamment le régime indemnitaire qui était quand même beaucoup plus sensible. On a trop tardé parce qu'on a beaucoup discuté avec les représentants du personnel sur cette harmonisation. Alors les autorisations spéciales d'absence, typiquement, on se marie, on a le droit à un certain nombre de jours, on est payé, c'est pas des congés, mais on a le droit de s'absenter pendant un certain nombre de jours en cas de mariage, de décès, etc. etc. Donc il y a une liste en fait d'événements qui permettent d'avoir un certain nombre de jours de congés sans débiter son compte à congés ou CRTT. On avait deux régimes différents. Il y avait certains points en commun, donc entre Évry et Courcouronnes, mais évidemment, il y avait plein de points qui n'étaient pas en commun. On a eu le cas de deux agents qui se sont mariés, un venant d'Évry, l'autre de Courcouronnes, et ils n'avaient pas le même droit à nombre de jours pour le même mariage, le leur. Voilà. Bon. Donc pour le coup, non, je dis ça sur le ton de la blague, mais ça crée quand même énormément de frustration. C'est légitime entre les agents qui parfois travaillaient à côté, mais l'un venait de Courcouronnes, l'autre venait d'Évry, et on n'avait pas les mêmes droits. Donc on a la passion de l'égalité en France, et puis c'était tout à fait légitime d'harmoniser, on se devait de l'harmoniser. On a harmonisé vraiment par le haut. Alors il y avait des points qui étaient devenus borderline, voire contraire en fait aux nouvelles dispositions qui font qu'on ne peut pas dépasser ce que l'État donne. Dans le temps, c'était pas comme ça. Donc, les anciens régimes qui étaient de part et d'autre pouvaient dépasser la réglementation actuelle. Et donc, on s'est quand même calé sur le haut de la réglementation actuelle parce que si on avait fait plus, on aurait été contre la loi et c'était pas possible. Voilà. Donc, on a pour l'ensemble des les cas possibles, on a statué donc sur un nombre de jours, par exemple 5 jours pour un mariage. Merci Ronan, est-il des questions sur ce point ? Il n'y en a pas, des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Organisation des services, création de postes. C'est la fameuse délibération qui vient à chaque conseil municipal et donc qui permet de essentiellement modifier. On a 13 actualisations, 3 suppressions et 4 créations. J'apporte une petite précision pour ceux qui ont le dossier sous les yeux. Il y a une petite coquille, il y a une suppression qui ne devrait pas l'être. C'est la suppression du poste intervenant art plastique qui sera retiré en tout cas de la délibération. Non. Merci Ronan. Est-il des questions ? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Daniel, point 47. Oui, le point 47. Un administré a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur le maire du chef de diffamation publique envers un particulier. Le juge d'instruction désigné sur cette affaire a envoyé à Monsieur le maire un avis préalable à une mise en examen en matière de délit de diffamation ou d'injure publique. Dans le cadre de la protection due à ses élus par la commune, Monsieur le maire a sollicité la mise en œuvre de la garantie protection fonctionnelle. Il est donc demandé au conseil municipal d'accorder cette garantie à Monsieur le maire dans le cadre de l'enquête indiquée. Merci Daniel. Est-il des questions sur ce point ? Samia ? On souhaiterait avoir un peu plus d'éléments sur cette plainte parce qu'on n'a pas les tenants et aboutissants. Donc se positionner comme ça sur cette protection fonctionnelle en soi, ça, on n'est pas contre. Mais après, avoir les tenants et aboutissants et savoir pourquoi on devrait voter. Les tenants et les aboutissants sont assez simples. Vous connaissez les affaires qui entourent la mairie de Saint-Try, puisque nous en avons délibéré ici même, notamment pour faire intervenir la police municipale à Saint-Try. Le maire de Saint-Try a publié un texte à la suite de la manifestation. Nous en étions
je ne sais plus, 600 ou 700 personnes élues de tous bords et de très très nombreux habitants, dans lesquels il a nommément indiqué le nom de celui dont il estime qu'il est le responsable de ce qui se passe à Saint-Try. J'ai relayé sur le compte Facebook professionnel qui est le mien la publication du maire de Saint-Try, sans citer la dite personne dans ma publication, mais elle est citée dans la publication du maire, qui est en image sur cette publication. Cette personne a donc déposé plainte il y a un peu plus d'un an. J'ai été entendu par les gendarmes et le procureur de la République a classé cette plainte sans suite. Ça paraît assez logique. Et cette personne a donc, personne qui en est, je crois, 140 procédures contre le maire de Saint-Try, voilà, ça montre l'état d'esprit, a donc fait actionner le niveau juge d'instruction, plainte pour diffamation, et donc je suis potentiellement en phase de pré-mise en examen, et donc conformément aux possibilités qui me sont offertes, puisque c'est dans le cadre de mon mandat, il est proposé ici de m'accorder la protection fonctionnelle. Ce sera donc la première fois en 22 ans de mandat. Voilà. Juste pour souligner que le maire de Saint-Try a fait un article à valeur actuelle qui avait été condamné pour propos racistes. Donc voilà, moi, le fait que notre collectivité... Je vois pas le rapport. On va avoir un problème. Non, pas vous, mais le fait que notre collectivité puisse mettre à disposition les outils de notre collectivité, soi-disant la police municipale, pour un maire qui va quand même mettre un article dans ce journal, moi, ça me dérange. Ouais, enfin, moi, je vois absolument pas le rapport avec le sujet qui nous est posé là. Chacun prenant ses responsabilités, si un jour vous avez besoin de la protection fonctionnelle de la collectivité, puisque vous avez un problème dans le cadre de votre mandat, je vous rappellerai la position qui est la vôtre ce soir. Je soumets donc cette... Monsieur Saïdji. Micro. Qu'est-ce que vous voulez, hein, j'ai un problème de micro. Vous savez, c'est pas de la polémique, mais loin de là. Vous savez, des décisions pareilles, on aurait pu les prendre bien en amont. Parce que je voudrais bien rappeler un fait, qu'il y a une... Madame Farida Amrani qui a été agressée avec deux militants. Non mais attendez, restons sur l'actualité. Non, attendez, elle a été agressée. C'est une agression à une élue. Elle n'a pas eu l'aide qu'il fallait avoir. Monsieur Seridji, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Seridji, s'il vous plaît. La protection fonctionnelle est très encadrée. L'incident auquel vous faites allusion concerne pas Madame Amrani dans le cadre de son mandat, mais dans le cadre d'une candidature à une élection. C'est une élue. Elle était élue encore. Non, oui. Alors, mais si vous allez agresser quelqu'un pendant que vous êtes en vacances en train de bouffer un sandwich et que vous demandez la protection fonctionnelle, on ne vous l'accordera pas. Ce n'est pas dans l'exercice de votre mandat. Madame Amrani... Monsieur Seridji, s'il vous plaît. Madame Amrani, en l'espèce, était en période de campagne électorale sur le terrain dans le cadre d'une action militante. Ça n'a rien à voir. C'est le maire d'Évry-Courcouronnes, dans le cadre d'une publication sur son compte Facebook en tant que maire, qui est incriminé dans cette procédure. C'est donc conforme à la règle. J'appelle donc ici, et je rappelle d'ailleurs, à ce titre, et c'est pour ça que je trouve, en l'espèce, vous débordez, Madame Amrani, à aucun moment, n'a demandé la protection fonctionnelle à la commune. Et pourtant, elle a eu un soutien, elle a eu beaucoup de soutien dans le politique. Attendez, mélangez pas les sujets. Elle n'a pas sollicité la protection fonctionnelle auprès de la mairie. Mais rien ne nous a empêché d'écrire dans les réseaux risque entre deux parties ou entre deux groupes. Bien. Ok. Est-ce qu'on peut revenir au sujet de la délibération, s'il vous plaît? C'est le même sujet. Non, je viens de vous expliquer trois fois que ça n'était pas le même sujet. Non, s'il vous plaît, je parle avec monsieur le maire. Hein. S'il vous plaît. Ça n'est pas. Respect. Je suis juste Najwa. Il n'a pas besoin d'avocat. Ça n'est pas. Najwa, s'il te plaît. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui distribue la parole dans cette séance. Voilà. Bien. Merci, monsieur Seridji. Ce n'était donc pas le sujet et je n'ai pas, à ma connaissance, reçu de demande de protection fonctionnelle. Y a-t-il des votes contre? Les abstentions? J'ai pas vu de main levée pour le vote contre. D'accord. Je voulais juste souligner que ce maire a un article sur un journal qui, pour moi, est totalement raciste. Oui, je connais d'autres maires ou anciens maires qui, de temps en temps, sont sur ces journaux et
Et voyez, moi, dans ma vie publique, j'ai accepté des interviews sur des tas de journaux de gauche, d'extrême gauche, de droite. Alors, jamais à l'heure actuelle, j'ai refusé, mais c'est une question de choix personnel. Mais je vous rappelle que sur le fronton de cette mairie, et il me semble que nous partageons cela, il y a un grand bandeau bleu-blanc-rouge sur la liberté d'expression, jusqu'à preuve du contraire, Valeurs Actuelles est vendue en librairie, n'est pas interdit. Voilà, donc je ne peux pas mélanger ces sujets-là. Ce ne sont pas mes convictions, mais chacun fait ce qu'il veut. Là, en l'occurrence, merci en tout cas, puisque ça semble être donc unanime, si j'ai bien... c'est ça. Je vous remercie pour ce vote unanime. Bien, point suivant. C'était Najwa. Merci. Alors, chaque année, la MIF organise son voyage d'études. Cette année, il aura lieu le 25 et 30 septembre dans deux villes où il faut bien se couvrir, Montréal et Québec. Donc, il y aura différentes thématiques qui seront abordées. Le fonctionnement institutionnel, le fonctionnement économique et l'innovation, l'histoire urbaine et des évolutions récentes, des sujets thématiques autour de la santé, l'éducation. Monsieur le maire participera à ce voyage d'études en tant que président de la MIF et sera accompagné de Monsieur Mehdi Zegouf pour représenter la commune dans le cadre des divers échanges qui seront organisés autour de trois cycles de travail. Un cycle hôpital public à Montréal, un cycle éducation à Québec, un cycle patrimoine à Québec également. Je vous rappelle que selon l'article L2123-18 du Code général des collectivités territoriales, les élus peuvent bénéficier de la prise en charge sur le budget communal des frais inhérents à ce type de mission dès lors qu'une habilitation spéciale leur a été donnée par délibération du conseil municipal. Alors, le montant des frais liés à cette mission s'élève à 2 745 € TTC. À ce titre, il est donc demandé au conseil municipal de voter un mandat spécial en faveur de M. Mehdi Zegouf, deuxième adjoint au maire, pour assurer la représentation de la commune dans les échanges organisés dans le cadre du voyage annuel d'études de la MIF 2023. Merci Najwa. Je rappelle que le voyage de me concernant est pris en charge par l'association. Bien, est-il des questions sur ce... Je rappelle d'ailleurs, toute fin utile pour droit de suite pour Rafik Garnic, que nous avions voté une délibération pour nous permettre à Pascal Chataillon et moi-même d'aller à Séoul dans le cadre de la ville apprenante et que j'ai finalement décidé de ne pas y aller pour en diminuer le coût. Donc je n'ai pas participé à ce voyage. C'était bon de se le redire puisqu'on avait délibéré là aussi sur table sur cette question. Bien, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Dernier point du conseil du jour, Pierre. Oui, il s'agit d'une délibération sur les camions réfrigérés qu'on loue pour le CCAS et pour la ville, pour porter des repas aux personnes âgées et pour porter des repas aux crèches. Le marché public de location de ces camions arrive à terme, il fallait donc le relancer. Pour cela, étant donné que le CCAS et la ville sont des entités distinctes, il faut créer un groupement de commandes où le CCAS et la ville se groupent ensemble. Il faut nommer un coordinateur à ce groupement de commandes, ce sera la ville, et donc la ville passera les marchés, fera toutes les procédures d'appel d'offres qui bénéficieront donc aux deux, au CCAS et à la ville, qui pourront avoir un nouveau marché pour louer leurs camions réfrigérés. Merci Pierre. Il y a des questions sur ce point ? Il n'y en a pas. Des votes contre ? Des abstentions ? Merci, chers collègues. Je vous rappelle que le prochain conseil municipal aura lieu le 12 octobre 2023, la commission le 2 octobre, pour celles et ceux qu'on ne croiserait pas, même s'il y a encore énormément de manifestations qui doivent nous amener à nous croiser d'ici le 15 juillet. Je souhaite à celles et ceux qu'on ne verrait pas de bonnes vacances. Merci à tous.